Hard work. Hard work. Hard work. Hard work. Hard work, 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 that's what they say. Hard work, work. Hard work, I earn my pay. Hard work, work. Hard work, do it every day. Hard work, I get up about a quarter to three. Hard work, work. Got to go and earn my pay. Hard work, work. Put my boots on and lace them up. Hard work, work. Got another day to work. Hard work, work. Hard work, that's what they say. Bonsoir. Hop. Merci beaucoup à Madness. Bah déjà, je vous dis bonsoir, hein, parce que déjà on a le soir et parce que il est bon. Du coup, c'est un bonsoir. Donc bonsoir. Bonsoir à Funeral. Bonsoir putain. Alors, c'est combien un sub? Parce que t'en as fait 31. 31, je vais arrondir à 5 euros, donc 5 euros fois, attends, 10 fois 3, ça fait 310 divisé par 2, ça fait, allez, 155. Oh, bim, 154,69, multidab. À 31 centimes près, excusez-moi. Ça, c'est mathématiques, et moi, je suis fort en mathématiques. Enfin, addition, soustraction, ça me fait pas peur, quoi. Donc bonsoir à Madness, merci beaucoup pour ton pour l'abonnement que tu m'as donné. T'es fou d'avoir les droits du modo. Bonsoir à Hoffman, bonsoir à tous les autres, bonsoir à Arcana, il me semble l'avoir vu pas loin, là, il doit se cacher dans le fond de la salle. À Funeral, je crois que je lui ai déjà dit bonsoir. Mais je ne suis pas sûr. T'additium comme personne. Eh ben ouais, attends, 1 plus 1, 2... Et non, j'aurais pas dit 11. Coucou, bah coucou Funeral, ça me fait plaisir. C'est que t'es plus ou moins le meilleur. Après Francis Lalanne. C'est le premier nom qui m'est venu. Tu vas faire gagner des jeux ce soir? Non, parce que j'ai plus de jeux en stock. Et puis faut pas commencer à vous habituer, hein. Excusez-moi. Hein. J'ai plus rien en stock. J'ai un vieux stock de grenades de la Première Guerre mondiale, mais enfin bon, je suis pas sûr que ça intéresse quelqu'un. Il est mieux branché, c'était Francis Lalanne. Je sais même plus ce qu'il a chanté Francis Lalanne. Il a chanté quoi Francis Lalanne? Non. Non. Attendez, parce que ça me perturbe. Francis Lalanne. Fort Boyard, non. Francis Lalanne tout court. On se retrouvera. C'est quoi? Ah oui, j'aime pas. Voilà. Moi aussi je veux les grenades. 6 mois pour la recherche. Mais, Hoffman, toi t'as pas le droit parce que t'es déjà fichier double S. Funeral, ouais, bon, c'est des recherches scientifiques, on va dire. Comment un chinois meurt avec deux grenades dans le cul, bon, ça peut faire une sacrée thèse, hein, j'ai envie de dire. Et si on arrêtait de parler un peu. Hop. Hop, je vais vous remettre le son parce que tout court. Hop, je vous mets le son correct quand même. Accepter, hop,
Je m'en fous. Oh, comment je le dénigre. EF facho funéral, FFF. Funéral, t'as un FFI, donc un communiste. C'était une scène dans le film Les Aventures de Max et Léon qui m'avait tué quoi quand t'as. Allez. Quand t'as les gars qui s'embrouillent qui s'embrouillent avec FFL et FFI quoi. Nous on est des FFL mais eux c'est des FFI, mais on est tous FFL. Ça m'a tué de rire. Si vous n'avez pas vu les aventures de Max et Léon, allez le mater parce qu'il est champ Max à groove. Oh là là. Salut les petits clous, bienvenue sur la première libre antenne du monde. Je suis remonté des années 80 niveau radio. Vous voulez que je monte encore plus loin? Ici, Londres. Ça me tue, moi. Septembre 1942, Stalingrad, USS. C'est pas si pipi. La ville symbolique de Stalingrad reste un champ de bataille clé. Plus de 5 cinq... Ouais? Plus de 5 mois. Ah, resta, je conjugue pas mes verbes. La ville symbolique de Stalingrad resta un champ de bataille clé pendant plus de 5 mois. À partir de l'automne 1942, il était caractérisé par des victoires de combat rapprochées. Vicieux combat. C'est écrit petit, si c'est écrit petit, c'est écrit petit. C'est pas moi, c'est écrit petit. On arrête de lire ce champ de lire. Hein. Nous, les grands-mères, ils regardaient des vidéos et tuaient des gens. Welcome to Texas. C'est vrai qu'il y a une histoire. Pour nous ouvrir les yeux, camarades. Camarades. Nous étions capables de vaincre les Allemands. Et grâce à cela, nos troupes se sont battues avec fougue à Stalingrad. C'est Stalingrad. L'ordre 227 qui nous a poussé à nous battre 27. à Stalingrad. 27. Nos soldats n'avaient pas le choix. C'était ça ou la mort. Plop, on va bombarder les Allemands. Salut, un pseudo. Oh, c'est beau, eh. La seule histoire à savoir, c'est que le on, je n'irai pas la fin de cette phrase. Je lirai pas ça. Je ne lirai pas ça, final. C'est de la censure. C'est de l'autocensure, je veux dire. D'ailleurs, en parlant de complot et tout ça, si. Attends, je vais. Attends. Il n'y aura pas de retraite. Personne ne recule. Personne 27 27 0 187. Je sais pas ce qu'il dit. Pourquoi tu cries? L'ennemi pourrait économiser ses balles et nous laisser nous entretuer. Hey, drôle chef. Je vous assure, camarade, il n'y a pas d'autre option. La seule façon de survivre aujourd'hui sera d'avancer. Il y a le menton statique qui là, c'est. Je cherche qu'on soit avant. Sur Netflix, ils ont mis un documentaire complot 11 septembre. Ah ouais. Est-ce que le son est pas un peu trop fort? Si le son du jeu est trop fort, vous me le dites. Hein. Alors là, on va arriver dans l'émission où j'ai de très faibles chances de perdre vu que c'est des missions d'attaque et des missions où je peux me préparer longtemps. Et c'est des missions dans lesquelles j'excelle. La mère patrie doit être sauvée. Ouais. On n'a qu'une option. For the Moreland. On va tenir la zone près de l'usine, puis on traversera la non, ville jusqu'à la position allemande. Graboskaya. Antiopovskaya. Attends, il faut le livre. Allez, il est où métro 2033 que je dise des mots en russe? Vont avancer des divisions blindées pour l'attaque. Je vais essayer de vous trouver des renforts le moment venu. T'as vu, il a fait des petites. Tu crois qu'il y a des requins? Vu qu'il a fait des petites ailes de requins. Le Stalingrad. Allez, gars, on y va. Putain, mon écran est petit quand même. Vu que j'ai pas deux écrans, je suis obligé de mettre le jeu en réduit. Et du coup, c'est très très petit. Et c'est très chaud en fait. Ouais, bah, on va envoyer ça direct. Hein. Direct. Les gars, on y va. Vous êtes de la charcutée. Vous êtes de la charcuterie, les mecs. On y va. Allez. Regardez,
Fumez-les, les fils de pute, fumez-les. Pour la mer, mon cul. Ouais, c'est pareil. C'est cliqué encore. Un joueur de bar, ouais, c'est pas un joueur de bar, allez, on y va. Chez moi, le son est très fort, quand même. Je vais quand même le baisser. À mon avis, chez vous, il doit pas être très fort, vu que j'ai diminué à fond le son. Je vais quand même le baisser, parce que moi, ça me tue les oreilles, quoi. Vas-y, on peut même plus respirer dans ce pays, super. Jack, bon... Hein? Je dirais pas plus, parce que, bon, on va peut-être écouter. Mais, voilà, quoi. Vous avez compris. La 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 la. Putain, il nous coûte tant, les fils de pute. Crame-les. Avec un mon aise, mec. Oh, mais les bâtards, eh. Oh, les tchou, bâtards. Oh, les tchou. La défense de la Rodina nous a coûté un autre véhicule, bon sang. C'est de value. La défense de la Rodina nous a coûté un véhicule. C'est beau, là, oui. C'est beau, Blouge. T'as vu comme c'est... Attends, aïe, aïe. T'as vu comme c'est beau? Moi je trouve ça magnifique. Ah, l'odeur de poudre. J'adore l'odeur de paix au petit matin. Ceux qui ont la référence, beau gosse. Pour l'un des meilleurs films du monde. Et tous ceux qui n'ont pas vu Dodgeball, c'est des grosses merdes. Bon, c'est peut-être un petit peu violent comme truc, mais je ne changerai pas mes positions. Hop. Les gars, ça va être pépouze hein, comme stream, hein. Tranquillo, prenez un petit truc à bouffer. Prenez un petit truc à bouffer. Les hommes torse nu avec un chapeau seront jamais classe. Les congélateurs sont moins chers chez But. Si Juvabien, c'est Juvamine. Prudence et mère de famille. La guerre, c'était pépouze. Oh là. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'était un stream pépouze. Fais pas ton journaliste BFM TV, toi. Hein. Quel connard, ce mec. Ça va, ils sont cons. Ça va, c'est bon, ils sont cons. BFM for life. Ça, je le dis pas trop fort. Je dis pas trop fort, s'il te plaît. Les snipers, la meilleure unité du monde après. Après. Le cuisinier secoue les nouilles. Je répète, le cuisinier secoue les nouilles. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je fais bien la BBC ou pas? Bon bah on se casse. Ils vont se faire tuer mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plein. Da. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est bon maman. Le mec trop gueule. Da, ok. Jean a de longues moustaches. Les sanglots longs des violons de l'automne. Poème de Verlaine. Je sais plus comment s'appelle le poème, mais je sais que c'est un poème de Verlaine. Et moi, mon cas. Deuxième guerre mondiale, c'est aussi de la poésie. Et ça fait A-N. Conquérir ses boubas. C'est ce qu'on dit de Nantes actuellement. Je vais dire de Bruxelles, mais... Allez, les gars, tirez. Allez, les gars, tirez. Allez, les gars, tirez. Allez, les gars, tirez. Mais ils sont cons aussi. Moi, j'ai rien demandé. Évidemment, il fait ça quand les gars se sont retraités. Tous ceux qui feront marche arrière seront abattus. Les soldats ont 12 de QI. Mais ça m'énerve parce que les snipers, c'est surfumé, mais genre, ils mettent 6 ans à recharger. Genre, ils ont pas des barrettes, les mecs, c'est bon. Ouais.
La vache, le commandant. Ouais, il est. Bah, il est russe, hein. Ils sont pas non plus connus pour. Bon. Et encore, je le trouve assez mesuré, là. Parce que au début de la partie qu'on a faite, là, il y avait genre un. Mais putain, mais oh. Les ventes de fils de pute, quoi. Je crie peut-être un peu fort. Je suis désolé. Si je crie un peu fort, vous me le dites. Hein. Moi, y a pas de problème, quoi. Eh, on est là pour en discuter. Eh, on discute ou pas? D'autres lâches souhaitent se manifester. Allo Paris, ici mon cul. Donc pas un vrai russe. C'est un russe modéré, voilà, c'est un russe... C'est un russe Michoko. Ah mais toute la troupe de Staline était noire. Michoko, il se faisait appeler. C'est quand même bien, les Dieudonné avant, quand il faisait rire. C'était bien quand même. Moi j'aime bien. Je vais niquer ce putain de mortier de mes couilles à la mort, moi le fion. Allez, les gars. Peut-être pas le temps non plus de dormir. 2-7-2-7. Oh le racisme. Mais non, c'est pas raciste. Je dis. On se casse. Ah, j'ai juste qu'on se casse. C'est des parties assez. Moi, je suis pas dans la rapidité. Sauf en escarmouche, je suis quand même un peu plus rapide, je vais vous avouer. Mais quand je suis en solo, moi, je les joue tranquillos. Tu vois. Je les joue. C'est quoi? Les gars, peace. On peut en discuter. On déplace la mitrailleuse, chef. Tiens, souvent, je suis en train de me mater H. Enfin, de me remater H. Puis que ça, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je mate la série. Et putain, mais ça me tue de rire. Depuis le stream de Ruru, je crois, où il avait présenté. Enfin, où il avait fait aller le truc genre. Allez, c'était quoi où je fais éjaculer la salle, tu vois. Ça m'a donné envie de regarder H. Et putain, ça me tue, quoi. Mais vraiment un truc de fou, quoi. Et c'est vraiment trop bien comme série. Réveillez-vous, Vignes. Il a dit capitaine, on va le fusiller parce qu'il a pas dit commune. Vous avez compris la vanne ou pas? Eh, vous avez compris? Eh, vous avez compris? Putain, ils m'ont buté, mais c'est quoi mes snipers en sucre glace que j'ai là? Ah oui, putain. Y a marqué quoi là? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y a pas marqué ça où tu gueules ta race! Ça m'a fait tuer ça aussi. Blondie! Oh les. Oh. Non, ni là. Oh. Oh. D'où tu coupes ma ligne? C'est bien de garder la ligne. Oh putain. Je vous préviens les mecs, c'est des vannes du jeudi. C'est-à-dire, c'est pas encore le week-end. Mais c'est pas non plus le début de semaine. Donc t'es mi content. Parce que c'est pas en semaine quoi, mais c'est chiant parce que c'est pas le week-end. Et généralement le jeudi c'est les périodes de cours les plus chiantes. C'est là où je sais pas, il y a une sorte de convention, un traité qu'ils ont dû signer tout le corps professoral planétaire. Comme quoi le jeudi ce sera le jour où je te foutrai dans le cul modèle Mac 2. Putain mais ok ouais, c'est pour ça que je me fais fumer les lions en fait. Parce que ils ont quand même full. Je vois plus mon chat, je vois plus... Xy, need man carte. La vanne du désespoir. Franchement, ça va. Claudine, Colline, comment j'ai dit? La 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 la. J'écoute, c'est pas mal de musique irlandaise. Je kiffe la musique irlandaise.
Et j'ai découvert une chaîne. Bon, il a fait qu'une musique de merde. C'est le truc que je vous ai passé tout à l'heure. C'est un gars, en fait, il prend des marches militaires américaines. Oh, yes. 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 Ça va chier, putain, ça va chier. C'est des gars qui prennent des marches militaires américaines, qui font des remixes un peu hip-hop, jazz, mais je trouve qu'il y en a, j'en ai écouté deux ou trois, et il y en a qu'une qui me plaît bien, c'est celle que j'ai passée tout à l'heure. C'est hard work. Tu sais, un truc comme ça, tiens. Je vais prendre le mortier, parce que... avec le mortier, la fête est plus folle. The country road, the fantasy, panoum bathroom. Ah merde, putain, je viens de déplacer ma fenêtre, fais chier le lion. Équipe de mitrailleuse légère en position. Putain, mais vous faites. Mais vous les voyez là, il est là. J'en ai marre de bosser avec des cons. Un con quand t'es allé à l'AMF. J'espère qu'il y a aucun staff. J'espère qu'il y a personne du staff LMF qui est là, parce que sinon je vais me faire défoncer. Allez, vas-y, on les nique, les mecs, on les fume, on les prend à la gorge, on les saigne, on les fume comme des bisons. On les saigne comme des bisons, les mecs. Je crois que c'est la phrase la plus stylée que j'ai jamais entendue de ma vie. Le QG soviétique contient maintenant un hôpital de campagne, mais seulement pour ceux qui sont pas tarlous. Je vais un peu nettoyer un peu le secteur, hein. C'est quand même votre boulot, les katushis. Les grenades anti-chars sont disponibles pour toutes les recrues. J'ai envoyé mes snipers pour qu'ils fassent enfin un petit peu de boulot, parce que là ils ont pas. Ça va Katyusha comme en 44. Ha! Blague nulle. Comme on dit, ça va catucher dans le lionf, là on rigole, tu vois, ça va catucher dans le lionf, là, ouais, ok. Une petite tranchette de caduche. Vous voulez un whisky? Oui, juste un doigt. Vous voulez pas d'avoir un whisky? Oh, des turbines. Qu'est-ce que j'aime, des turbines? Putain, mais c'est quoi les portées d'enculé qu'ils ont, ces putains de mitreuses de merde là? Elle me casse les couilles, et on va y aller. C'est quoi, tu te mets là? Non, je peux plus. J'entends un moteur là, non? Chut, fais pas de bruit. Il y a un moteur, on est d'accord. Il y a un moteur là, je suis. Fumez-les. Bon, on dirait qu'ils ont bien joué, quoi. Je vais me faire une petite unité spécialisée. Super. Ça me casse les couilles, putain. Putain, mais c'est, d'habitude, je perds pas mes snipers, limite. Hein. En plus, c'est super utile, les snipers, quand tu les utilises bien. Putain. Oui, t'as des véhicules motorisés dans cette zone, non, sans blague. Allez, fumez-moi ça. C'est même pas compliqué, oh. Compliqué, oh, oh. Les troupes de choc sont arrivées, chief. Hello, my friend. This is a fresh shot again, and today. C'est plus chaud que prévu. Pourtant, j'ai déjà fait cette mission en difficile.
Oui, c'est toujours difficile hein, pour ceux qui se disent oh, le démon il est nul hein, ou quoi. Déjà que le jeu en normal, bon, c'est pas le jeu le plus simple de l'univers, hein, j'ai déjà eu plus simple comme jeu. Par exemple, Wii Box, tu vois, ou Wii Bowling, tu vois, ça, tu vois, ouais, ça, d'accord, là on discute. Mais non, là, non. Ouais, ça m'énerve. J'appelle Jean-Pierre. Ça m'énerve. Oh, c'est quand même le taf. Il n'y a pas à dire avec les touches, c'est de la belle mécanique. Toi, tu vas me fumer ça parce que je sens qu'il y en a encore. Non. Bon, il y a le mortier quand tu veux désherber une zone. Si tu veux faire un barbecue, si tu veux faire un barbecue et que tu as besoin de faire un petit des petits travaux, t'appelles une section de mortier. Ils te font ça un tarif aux olives en plus. Parce qu'ils sont russes, hein, faut pas déconner. Qu'est-ce qui est. T'inquiète pas. Restez là, les mecs, bougez pas. On envoie des gâteaux. Fais rien. Attends, toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas rejoindre là. Comme ça, on est. Oui. Mec, le mortier dans la mission de Leningrad, c'est magique. Le gros mortier de 88 ou de 105, je sais plus quoi, le gros machin à roulette là, enfin le truc où ils sont obligés d'être à 3 pour le transporter. Ouais, il est assez cool, mais je l'ai perdu assez vite. Mais du coup, je l'ai remplacé par deux mortiers simples qui faisaient aussi bien le taf. Partie de 120, voilà. Là, j'ai tiré parce qu'il y a une mitrailleuse, je l'ai vu. Ne mens pas, je l'ai vu. Bim! Casse les mecs. Je vais demander au Katusha de le faire vu qu'on peut pas compter sur vous. J'ai plutôt. Oh ce bruit. Attends. Voilà mec. L'horreur que ça doit être quoi. La panique que tu dois avoir. La mission, j'ai fait que le mortier de 120, j'ai désherbé la map. Bah tu m'étonnes mec, c'est plus ou moins de la grosse mécanique aussi. Hein. C'est pas les années 70, hein, comment dire. Hop, petit coup de Red Bull. Parce que mine de rien, le polyon, il a un peu fatigué. Hein. Il a bossé et tout, il a fait du travail, il a bossé. Ouh là, c'est le strike là. Oula, on est bon. Je crois qu'on va pouvoir un petit peu avancer. Vraiment tout? Non, en vrai, ça va. Je suis pas trop fatigué. T'as fait quoi? Alors aujourd'hui, j'ai vu. Ça? J'ai vu l'unité, enfin j'ai étudié l'unité de luminescence des ampoules LED sur une voiture automobile de moins de 4 ans. Voilà. Aïe. Non ouais c'est pas un véhicule, j'ai étudié les types d'ampoules qu'on utilise dans une bagnole. C'est pas ultra passionnant mais c'est bien à savoir. Branlette pour ma part et rendez-vous chez un psy de merde. Putain, c'est vrai que toi t'as rendez-vous. Enfin, tu veux pas en prendre encore 3 de plus des psys? Parce que 1 ça te suffit pas, à mon avis. Putain, mais fumez-moi ce putain d'enculé là. Voilà, c'est bon. Là. Ah, ok. Ouais, de ouf là. J'ai des soucis avec mes phares, tiens. Bah vas-y, dis. Dis-moi quand à quel moment t'as des soucis et qu'est-ce qui se passe quand t'allumes tes phares. Vas-y, dis. C'est peut-être juste une ampoule pétée. Attention. Camarade capitaine, il y a un pont vers le nord. Si vous pouvez le sécuriser,
Nous vous enverrons des renforts supplémentaires. Napoléon va être mécano au black du garage LMF. Tu savais qu'un mécano faisait quasiment, allez, 30% de ses bénéfices par mois au black. Même un mécano qui bosse dans une grande entreprise, qui est un bon mécano, etc. Il fait parce que vivre que du mécanisme, ça marche pas. Ça fait, ça fait rêver. Mais on fait pas ce boulot pour l'argent. Ok, donc on se casse. Non, ça lui fera rien. Je connais trois mécanos, les trois font un. Bah oui, enfin. Le métier de mécanicien, c'est pas un métier facile, hein. C'est quand même des putains d'heures de boulot, des putains d'heures supplémentaires que tu te tapes, que t'es obligé de faire sinon t'arrives pas à finir les fins de mois. Si tu fais une connerie, bah c'est pour ta gueule. Si t'es pas assez rapide, on te vire. Enfin, c'est... Enfin, dans un garage personnel. Et puis, enfin, ça, c'est surtout dans les garages, je veux dire. Le truc que t'as, genre chez Bibi, garage à domicile. Chez les gros garages, genre tu vas par exemple près de Bruxelles, bon, près de chez moi, t'as les gros garages des marques, genre Renault, Citroën, Volkswagen et tout ça. Et ben eux, c'est des putains d'usines à réparation de bagnole ou à préparation de bagnole. Et là, faut juste être rapide, quoi. Faut pas enchaîner les heures et les heures et les heures, tu vois. Mais travailler dans un garage indépendant, mec, c'est hyper chaud, quoi. Il faut que tu te fasses une réputation, etc. L'impression d'être en feu de croisement, quoi. J'allume les feux de route, mais ils sont pas assez forts. J'ai l'impression d'être en feu de croisement. Salut, B44, je t'avais pas vu, excuse-moi. J'allume les feux de route, et j'ai l'impression... Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un problème de câblage ou juste un problème d'ampoule. Si c'est pas une bonne ampoule ou si c'est une ampoule, je veux dire, si c'est une ampoule pas à la bonne puissance ou juste un problème de câblage. Ou... Ah, peut-être même un problème de raccord à la basse, tu vois. Faudrait que t'ailles voir ça. Après, bon, les feux de route, c'est pas non plus. Tu utilises pas tout le temps les feux de route, hein, excuse-moi, mais tu utilises que quand il y a personne devant toi. Quoi. Trop de problèmes, beaucoup trop. Je pense que c'est le câblage, effectivement. Bah ouais, enfin, après, je vois pas d'autres trucs. Ça peut pas être la batterie, vu que je suppose que le reste de la bagnole et les autres phares, ça va. C'est peut-être ton phare qui est en train de lâcher aussi. Ton ampoule qui est en train de lâcher. Qui fait. C'est quoi? C'est des halogènes, des xénons, des LED. Ça veut dire que ce soit des LED, vu que bon, y a que les dernières bagnoles qui ont des LED. Et que. Allez les meufs, on n'est pas tous fortunés. Fortunés. Phare à pétrole. Phare à pétrole. Trixet qui l'allume à la bougite. Halogène. Ouais, c'est peut-être le gaz à l'intérieur de l'halogène qui est en train de faire... Oh, oh Maurice. Oh la vache, mon bide. Mais à mon avis, c'est plus un problème de câblage. Parce que l'halogène, elle pèterait d'un coup. Hein. Ou ta section de câble qui est pas assez forte. Ça aussi, c'est qui est pas assez grosse. Ça aussi, ça peut arriver. Petite erreur de mécanicien, tu vois. Le mec, il est pas au courant, tu vois. Il arrive, il fait oh, qu'est-ce qu'il bosse, tu vois. Il a déjà enfin, je sais pas. C'est étonnant que ce soit aussi ça. Hein. Enfin, bon, je propose. Hein. Après, moi, je suis qu'en première année. Hein, je donne ce qu'on m'a appris. Diagnostic. J'arrive, ça imite le bruit du... J'arrive, ça imite le bruit du gaz halogène. C'est un gros moment, merci. Bah écoute, je suis là. Après le gaz xénon, tu vois, il se la pète un peu plus, tu vois. C'est plus... ça va, les gars. Ah, ça part en cacahuète, ce stream. N'importe quoi. Non, mais le diagnostic d'une bagnole, mec, c'est tellement compliqué. Parce que, genre... Il y a des problèmes, genre que énormément, genre qu'il y a des mécanos, ils vont changer toute une pièce à 1000 balles alors que c'est juste un câble à 30 centimes, tu vois.
Enfin, il y a vraiment des trucs comme ça, et si tu fais, bon, tu te fais défoncer par ton patron, donc c'est... C'est une 205 GTI. Elle a morflé avant que je l'ai récupérée. Ah ouais, bah... Elle est de quelle année? Le gars Xeno, il boit du whisky, il fume des cigares. Alors déjà, on critique pas les cigares. Mec, le Xénon, il se la pète. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un fils de pute, le Xénon. Est-ce que j'ai pris... Oh. Je l'ai pris, mais j'ai pas de... J'en ai pas, quoi. Kertushi... Non, c'est pas ça. 95. Donc, Ah ouais. Ah ouais. Elle a quand même 24 ans. Je crois que c'est ça, 24 ans. Dans 4 ans, tu la fais passer en ancêtre? Enfin, je sais pas si en France c'est aussi 28 ans. Quoique en Belgique, ils veulent la faire passer. Non, en Belgique c'est 25 ans. Donc dans un an, tu peux la faire passer en ancêtre. En Belgique c'est 25 ans, mais ils veulent le faire passer à 30. Récent pour une 205. Tabi, t'as rembossé les bas de caisse? C'est 25 ans en France aussi. Mais nous, ils veulent le faire passer à 30. Ça fait chier mon prof de mécanique qui a une Peugeot aussi. Je crois que c'est. Bah, je crois en fait que c'est une 205 aussi. Et genre, mec, ça le fait chier parce que elle a 26 ans, je crois, 27 ans. Et genre, il doit la faire garder dans son garage pendant encore 3 ans s'ils font passer la loi, tu vois. Et ça lui casse les couilles, tu vois. Parce qu'il est déjà fait classeur dans 7, tu vois. Mais où il y a les magouilles qu'on nous apprend. C'est des trucs de fou. Par exemple, quand le client il réclame pas, genre en gros, quelquefois le client il ramène son bidon d'huile quand il veut changer son huile. Bah, on lui dit qu'on lui a pris toute son huile pour la mettre dans le véhicule, mais bon, on a pris quoi? Deux tiers? Et le tiers, on le garde pour nous. Mec, c'est vraiment un coup de pute ça qu'on a fait quand même. Bon, on se marre bien à l'atelier. Franchement, on se marre bien. Ouais, les petites salopes, mais. Ça va, le mec il était con. Et il m'a cassé les couilles. Le mec il arrive avec une Renault Scénic 3. Bon, déjà, ça me casse les couilles, hein, parce que déjà c'est une voiture moche. Hein, que moi, bah c'est moche. Enfin, tout court. Et c'est chiant. Hop. Attendez, je fais juste. Et genre, le mec il arrive, oui, etc. Petit entretien. Et mettre mes pneus hiver. Bon, pas de problème. Juste, vous avez les papiers des véhicules? Oh bah non! Putain, mais mec, je suis tombé sur quand même le seul mec qui n'a pas ses papiers de bagnole dans sa bagnole, quand Ah, je te jure, moi, il y a des jours où. Hop. C'est pas de la puputerie. Hein. On salue le client, c'est une orga. On salue le client, s'il nous regarde. Je l'ai connu, je l'ai vu débuter. Michel Drucker, je l'ai connu, je l'ai vu débuter. C'est quand même vachement puissant les grenades anti-char. Et du coup, donc je lui change ses pneus et tout ça. Bon, il était content. Après, bon, j'ai réussi à me démerder. Hein, parce qu'en plus, mec, son numéro de châssis, je suis obligé de noter le numéro de châssis pour les documents. Tu vois. Il était rouillé, tellement rouillé que j'ai dû le dégripper pendant une bonne demi-heure pour voir ne serait-ce que les trois premiers numéros de son numéro de châssis. Il y en a 11. Hein, non, il y en a 17. Pardon, il y a 17 chiffres et numéros sur son putain de numéro de châssis. Je vais pas changer ses roues, attention. Je vais changer ses pneus. Je lui mets ses pneus hiver. Ah non, mais Hoffman, je sais que je suis un peu tatillon, mais ça a son importance. Parce que changer une roue, c'est facile. Changer un pneu, c'est moins facile. Parce que faut le désolidariser de la jante et puis le mettre sur. Mettre le pneu et puis le remettre sur la jante. Ce qui n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Hein. Heureusement, je suis entraîné sur des vieux pneus qu'on n'utilise plus parce que, mec, j'en ai défoncé 2-3 des pneus. Mec, la machine pour désolidariser le pneu de la jante, c'est ultra chaud à utiliser, mais un truc de fou.
J'avais deux amortisseurs à changer. Putain, deux amortisseurs à changer, la vache! Sur une vieille Corsa. Le mécano m'a demandé presque 600 balles. J'ai acheté les pièces pour 50. Et j'ai passé mon après-midi dessus. Oui, mais ça coûte cher, Asso. Mais je suis. Assob? Ouais, Assob. T'as le coup du travail parce que changer des amortisseurs, bon, c'est pas. T'as changé des amortisseurs tout seul? T'as enlevé le ressort? T'as l'outil pour enlever le ressort, toi, Asso. T'as l'outil pour enlever le ressort de suspension, toi. Cette machine de merde, c'est vrai. J'habite pas loin d'une case. Ouais, mais. Pour accéder à l'amortisseur, il me semble. Enfin, ça dépend. T'as un amortisseur à ressort ou à lame? Je suppose que si t'as dû changer ton amortisseur, t'as dû changer. C'était un truc à ressort. Hop, on les fume direct. Ressort, ouais. J'ai demandé avec de la caisse de retirer le ressort. Parce que mec, retirer le ressort, c'était le moment le plus stressant de ma vie. En gros, en fait, le ressort, pour savoir, c'est pas un petit ressort que t'as à la plaine de jeu, c'est un ressort qui est ultra compressé. Hein. On dirait pas comme ça, mais il est très très compressé et parce qu'il doit supporter près de 1,5 tonne de pression pour une bagnole, tu vois. Et du coup, quand t'enlèves le MacPherson, donc le ressort et l'amortisseur, tu dois enlever le ressort pour changer l'amortisseur. Et mec, tu dois avoir une machine qui recompresse le ressort, mais le ressort, si la machine lâche, et la machine peut lâcher, mec, c'est des trucs mais genre pourris, quoi, c'est genre deux plaques de métal qui poussent, quoi. Et toi, tu fais ça avec une clé anglaise, et mec, la machine, genre t'étais tellement stressé quand tu tournais, parce que si le truc lâche, t'es mort. Hein. Mais c'est ça, le ressort, tu le sors mal, t'es mort. Voilà. Mais le ressort, c'est pas genre... Hop, j'ai jeté le ressort. Dans le ressort, tu dois compresser, rester compressé, retirer l'amortisseur, changer l'amortisseur, hop, remettre le ressort, etc. Une sorte de pince à... Ouais, c'est plus ou moins ça. Plus... Allez, vous voyez les trucs, pour serrer sur les établis, là. Genre, ces deux plaques de métal qu'on serre comme ça dans les établis. Bah, c'est plus ou moins ça, tu vois. Mais sauf que c'est beaucoup plus gros et ça subit une plus grosse pression, quoi, tu vois. Allez, on chauffe. On fait chauffer les rotatives. Hop, on se replie là. Un étau. Voilà, ça ressemble plus ou moins à un gros étau. Voilà. Mais après, bon, c'était bien de le savoir parce que bon. Mais il y a mon chef d'atelier, il a failli crever à cause d'un ressort mal sorti. Genre, c'était le début de sa carrière, et il sortait l'un de ses premiers sorts, et mec, genre, l'étau a lâché, si tu veux. Et le ressort, il a été dans tous les sens, et ça a atterri, genre, ça a effleuré son menton, il pissait le sang, mec, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai qu'il a une putain de cicatrice là, mec. Non, mais t'imagines pas la pression qu'il y a là-dessus, mec. Franchement, je veux jamais le savoir. Je veux absolument jamais le savoir, tu vois. C'est des trucs que tu veux pas connaître. Mais tu sais que ça va t'arriver, c'est obligé que tu vois que ça t'arrive. T'es mécanicien, t'es pas jardinier, tu vois. Hein, si vous... Si... C'était quoi? Si vous vouliez un bouillot calme, vous avez qu'à planter des navets. Voilà. Bon, mais c'est beau gosse, tu vois, et donc... T'as la prime de risque, évidemment, la prime de temps, etc. Donc ouais, ça coûte cher, un mécanicien, ça coûte cher. Ouais. Après, 600 balles, c'est quand même beaucoup. Mais après... les pièces, 50 balles, ça fait quand même pas cher pour un amortisseur. C'est un truc chinois, non? Enfin, je sais pas quelle bagnole t'as aussi, tu vois. Enfin, si, tu m'as dit une Corsa, c'est ça? Une Opel Corsa? Sur Oscaro, je connais pas. Moi, je suis en première année de mécanique, donc je suis pas bien sur les ficelles. J'essaie de retenir déjà, les logiciels pour les aide au diagnostic et pour les informations sur les caisses, genre Autodata, WoW et tout ça. Ceux qui ne connaissent pas la mécanique ne savent pas de quoi je parle, mais ceux qui connaissent un petit peu la mécanique qui savent de quoi je parle, et c'est vachement bien. Mais je me doute que c'est pas un site où tu commandes à bouffer. Merci à Saub.
Putain, mais ils ont des troupes surentraînées, eux. Ça, ça. Le véhicule a roulé dessus, c'est où? Non, mais la mécanique, c'est un truc qui me plaît vraiment. Je vous ai dit, enfin, j'avais vraiment peur que ça me plaise pas et que genre que j'allais me faire chier et tout. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Après, si c'est une vieille voiture, y'a pas de problème. Mais mec, si t'as une voiture moderne avec tous les micro-ordinateurs, les calculateurs et tout ce merdier là. Cassez-vous les mecs, cassez-vous. Ah ouais, ok. À part la grosse mécanique, genre embrayage, ouais, on commence un peu à faire ça. Nous. Et mon gars, on a reçu en gros le boulot. J'ai envoyé une photo sur le Discord. En gros, vendredi dernier, il nous a fait, ok, vous faites comme vous voulez, vous enlevez ce que vous voulez, enfin non, vous faites comme vous voulez, mais vous me démontez entièrement ce moteur et cette boîte de vitesse, et vendredi prochain, vous la remontez, vous prenez une photo, vous faites ce que vous voulez, vous discutez, vous faites des plans, vous faites ce que vous voulez, mais je veux que cette boîte, enfin ce moteur et cette boîte soient démontés aujourd'hui et soient remontés vendredi prochain. Genre j'ai atelier le vendredi, tu vois. Et mec, le démonter c'était cool, le remonter ça va être moins cool, tu vois. Mais mec, c'était très impressionnant de voir toutes les petites pièces qu'il y a dedans, c'est très cool, très cool. On avait quoi, un... C'était un V8. Un V8, ouais, V8 c'est soupape même qu'on avait. Donc, c'était un gros moteur, mais avec pas beaucoup de soupape. Ah là, je... Et ben le dos. J'ai pu titiller l'embrayage d'une 206, c'est de la merde. Mais tu sais déjà au moins la complexité que c'est un embrayage, mec. Le nombre de trucs que t'as dans la boîte de vitesse et tout, genre, c'est hyper compliqué, quoi. J'ai une boîte de direction à chauffer au chalumeau. Putain, mais cassez-vous, fils de pute, là. Pff, ça te casse les couilles, là. Cassez-vous, casse-toi. Fuis. Hop, on va se replier un peu là. C'est quoi ça? Artillerie allemande, ah ok. C'était de la merde, je comprenais rien. Ah oui, bah oui. Une boîte de vitesse, mec. Et enfin, ça dépend lesquelles, mais genre, on avait dans l'atelier, il y a mon prof, il a une Audi. Attends, c'était quoi? Attends, je vais regarder. Je crois que c'est une Audi. C'est pas une A8. Attends. Audi, excusez-moi, il nous a dit A4, c'est ça? Non, c'est pas une A4. A3. C'est pas une A3. A6. Voilà, il a une Audi A6. Et mec, genre, la boîte de vitesse, elle fait la taille du moteur. Elle fait une fois et demi le moteur, mec. C'est un truc gigantesque. C'est, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, ceux qui n'ont jamais vu une boîte de vitesse savent pas s'en rendre compte, mais une boîte de vitesse normalement c'est gros, mais c'est pas énorme, c'est une des plus grosses pièces, mais c'est pas aussi gros, tu vois. Là c'était vraiment gigantesque, ça pesait 160 kg, un truc du style. On devait le porter à la girafe, donc c'est une sorte de petite grue transportable. Enfin, c'est le monstre que ça doit être, mec. C'était un truc énorme, et je sais plus, il nous avait dit combien il y avait d'engrenages dedans, je crois qu'il y en avait eu plus de 160, un truc de style, mais c'était... Autant en comptant les gros et les petits, c'était un truc. La pire mécanique que j'ai fait, c'est sur une BMW 320D d'un pote. Mec, la pire mécanique pour l'instant que j'ai fait, c'était la Renault Scénic. Elle était casse-couille, mon gars. Mais violent, hein. Franchement, violent de ouf, hein. Elle m'a cassé les couilles, hein. Parce qu'en gros, comme je vais faire un petit entretien, en gros, je dois changer son huile. Et pour changer son huile, je dois aussi changer son filtre à huile, tu vois. Moi, l'électronique qui me faisait chier, c'était sur les bagnoles. Et maintenant, il n'y a plus que ça. Mais ouais, mec, j'ai des cours d'électronique, hein, moi. Et j'ai des profs aujourd'hui qui me disent, à l'époque, on avait des spécialisations pendant le boulot. Maintenant, on vous le fait à l'école directement parce que ça sert plus à rien. Il n'y a que ça, il n'y a que de l'électronique maintenant, mec.
Après tout ce qui est électronique. Mec, tout ce qui est voiture. Tu vois, les trucs comme t'as fait, changer l'amortisseur tout seul. Maintenant, tu vas pouvoir le faire tout seul. Sans ordinateur, sans truc à côté. Sans logiciel, tout ça. Sans le logiciel de la voiture. Enfin, tu pourras plus faire. Parce que, mec, il y a tellement de trucs. Le moins de trucs, en gros, en fait. Le moins de trucs que la machine repère. La moindre réparation, la moindre. Les trucs repèrent. Le système se met en sécurité. Et c'est bien pour un mécano parce que tu peux l'enlever et puis au moins il y a les airbags qui t'éclatent pas la gueule, tu vois. Mais ça t'empêche aussi de t'électrocuter. Mais genre. Ouais, c'est pour un mec qui fait de la mécanique dans son garage, c'est chaud. Hein. C'est de la merde, tu peux plus démonter. Non, tu peux plus démonter une bougie tout seul. Parce que c'est le boîtier de commande du moteur. Qui gère le temps entre les bougies qu'il doit faire durant les temps. Je prends que des vieilles voitures niveau entretien, c'est plus simple. Bah oui, mais bon, les vieilles voitures. Et puis l'avantage des vieilles voitures, c'est qu'elles tiennent longtemps. Le problème avec les voitures neuves, comme disent mes profs, c'est que. Elles sont plus faites pour durer aujourd'hui, elles sont faites pour se vendre, etc. Pour qu'elles soient à la mode, etc. Donc c'est de la merde, quoi. C'est pouille, c'est de la merde, j'aime pas. J'ai pas un mortier, il s'est fait fumer mon mortier. Oh bah merde alors. Ah ça me fait... Oh bah non. Ah ça me... Et les constructeurs ont couru le risque pour repérer les pannes, obligés à payer la blinde. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui disent, genre, il y a nos profs qui nous font, ouais, mais il y a des clients qui viennent et qui font, ouais, vous avez l'outil de diagnostic, vous foutez ça sur ma bagnole et c'est fait. Et genre, le gars, il fait, ok, pas de problème, hop. Genre, il dit, ok, la machine dit que c'est ça. Et le gars, il fait, vous voulez que je répare? Bah oui, c'est la machine qui le dit, c'est ça, le client dit ça, tu vois. Ok, je fais. Voilà, facture 1400 balles. En gros, en fait, il y avait juste un câble dénudé, tu vois. Juste un câble sectionné, il devait juste le remplacer. La machine en a déduit que c'était le calculateur qui merdait. Il a changé un calculateur à 1000 balles au lieu de faire une soudure à 10 euros, tu vois. Et du coup, tu vois, le mec, il avait un peu vénère, quoi. Parce qu'en gros, c'était un mec qui lui cassait les couilles, tu vois. Parce que les calculateurs de bagnole, mec, mais c'est un truc, mais ça coûte hyper cher. Et il y en a combien dans la dernière Audi là? Je crois qu'il y en a 105. 105 ordinateurs. Parce qu'en gros, plus tu rajoutes d'options, plus tu as besoin de calculateurs. Genre chauffant, calculateur. Climatisation, calculateur. Ouais, c'est un truc de ouf, funéral. 105 calculateurs. Hein. Airbag, calculateur, tu vois. Phare, feu de croisement, feu de route, tout ça, calculateur, tu vois. Pour toutes les options, bah moi aussi frère, mais tu sais que je fasse quoi? J'imagine pas ça à la bagnole de ma mère. Moi, mais en fait on se rend pas compte, mais dans ma mère elle a une petite Kia Picanto, c'est un petit truc sympa. Mais mec, le nombre de calculateurs qu'elle doit avoir, parce que elle est quand même assez bourrée d'électronique, je trouve. Bon, elle a pas les sièges chauffants et tout le tintouin, mais elle a quand même pas mal de trucs, hein. Mine de rien. Putain, c'est de la folie, mais ouais, c'est. Les caisses après 2000, elles ont plein de merde électronique. Mais en fait, c'est pas de la merde électronique, mec, ça assure un confort et tout, c'est des trucs génial. Genre, la suspension, auto-réglable, c'est une suspension qui se règle. Pour le confort, c'est ce qu'il y a dans les Bentley, tu vois, par exemple, en fonction du terrain qu'il y a. Et du coup, mec, quand tu roules sur une route pavée, t'as rien, tu sens rien, tu vois. C'est des trucs géniaux, mais bon, t'as besoin d'un calculateur pour gérer, t'as besoin d'un capteur, tout ça, et tu touches à ça, bah, tu dois prendre le PC, hop, dire que tu te mets en mode sécu pour que tout soit verrouillé, tu enlèves la fiche, tu remplaces la fiche, tu vois. Enfin, c'est plein de trucs, plein d'électronique que tu dois gérer. Et t'imagines même pas dans les voitures électriques le bordel que c'est. Déjà, tu dois. Mec, c'était quoi? Ouais, tu dois être dans une zone quadrillée, dans une zone restreinte, parce que la voiture, il y a 400 volts derrière, et je te dis même pas l'ampérage, donc tu te prends un coup de jus là-dessus et tu meurs, quoi. C'est la haute tension qu'il y a dans ces bagnoles, tu vois. Parce que les batteries sont au niveau du sol, et tu dois faire une zone délimitée pour pas que les gens non spécialisés n'y aillent, tu vois. Les premières Clio.
Non, mais les Tesla, je te dis, mon chef de télé, il en a réparé avec des Tesla, vu qu'il a spécialisation en gros en automobile. Quand tu sors de l'école, comme je fais, tu as une qualification technicien polyvalent automobile. C'est un peu pompeux, mais en gros, je suis un mécano plus plus, tu vois. Le mécanicien, il va juste réparer. Moi, je vais analyser la voiture, dire ce qu'il y a, faire la fiche client, remplacer les pièces, etc. Remplacer le circuit électrique, surtout. Bref, je suis un mécano plus plus. Mais tu peux faire des formations en électricité, en voiture électrique. Et tu as trois formations en voiture électrique. La première formation, c'est tu peux juste analyser une voiture électrique. La deuxième, c'est tu peux réparer et changer les pièces d'une voiture électrique. Et la troisième, c'est tu peux démonter les pièces des voitures électriques. C'est-à-dire que tu peux vérifier à l'intérieur de ce qu'il y a dans les composants électriques. Et ces trois formations, donc c'est 3 ans. Trois formations, pardon, pas 3 ans. C'est pas 3 ans, c'est plusieurs mois de formation. Mais c'est sur une année entière. Et bon, l'avantage, c'est que c'est le patron qui paye. Et que t'es payé, toi aussi, vu que c'est pas dans tes heures de boulot. Mais bon, voilà quoi, c'est quand même beaucoup beaucoup de trucs en plus à apprendre, tu vois. Même la première Twingo, ma première caisse, j'ai pu presque tout faire. Et le pire, c'est que je suis en train de faire des. Je suis en train de faire des études en PME, vu que je suis toujours en. C'est un lycée technicien. Enfin, ça s'appelle pas comme ça chez nous, mais voilà. C'est une école technique industrielle où je suis. Coucou mon bobo, c'est l'autruche. Et qu'est-ce que je disais? Putain, merci l'autruche. Bravo l'autruche. Merci, tu m'as perdu. Tu fais chier l'autruche. C'est un bonjour. Je sais plus ce que je disais. Bon, mais je suis paumé. Désolé. Non, ça, c'est bon. Ça, cette fois. Mais attention, hein. Parce qu'il y a un moment où ça commence à pas pouvoir se terminer. Hein. La Tesla. Non, il y a après. Lycée technique. Ouais, mais il y a avant. Ça, je m'en souviens, mais il y a avant. Bon, je me recasse. Non, reste l'autruche. Hey, on est bien. Hey, il y a du chouchen. Quelqu'un a du chouchen? Moi, j'ai un pack de bière derrière moi. De bière masse. Mais j'y touche pas parce qu'elles sont chaudes. Elles sont chaudes. C'est un pack que j'ai oublié de prendre avec moi pour la soirée du Nouvel An. Et comme je suis pas ultra fan de la masse et que c'était plus pour mes potes. Putain, les bâtards, je me fais éclater, quoi. Le CP mécano, ouais, ça je m'en souviens, mais il y avait un truc, ouais. Et je sais pas pourquoi je disais que j'étais en lycée technique. Ça va me revenir, ça va me revenir. Bref, je kiffe ce que je fais pour l'instant, et franchement, c'est très cool. Mais en fait, moi, je m'intéresse pas aux voitures, je m'intéresse vraiment à la mécanique. Au moteur! Je m'intéresse au moteur! C'est le moteur! Petite référence. CP mécanette. C'était mes canettes. J'aime. T'inquiète, l'autruche. Même si c'est pas son meilleur spectacle, vu qu'il y a la connasse, mais je l'aime bien. Oh, il y a un lance-roquette. Vous. Non, vous êtes déjà un truc. Vous. Très bonne marque de télécom. Vu que c'est ma connexion internet. Tout ça, je sais pas s'il y en a qui vont comprendre. La connasse, putain, ouais, elle me gave, elle. Oh, c'est incroyable, mec. Elle a une voix qui fait mal. À chaque fois qu'elle essaie de faire une vanne, bah, c'est pas drôle. Elle fait, tu sais, des rires, genre. Ça m'énerve. En vrai, si tu fais des études qui te passent. Ouais, franchement, je fais. Opération lequel? Bistouli! Bistouli! Ouais, je fais vraiment un truc qui me plaît et je suis vraiment content d'avoir enfin trouvé ma croix. Je suis vraiment content de ce que je fais. Et du coup, c'est cool, vu que c'est cool, vu que c'est cool. C'est cool parce qu'à l'AMF, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal qui sont passionnés par ça. Notamment, du coup, d'après ce que j'ai pu voir, Assob, qui m'a l'air assez calé en truc. Romtou, qui me semble. Tu vois? Et Hoffman. Qui me semble plus observateur qu'autre chose. Mais à soupe, ça sent le mec genre qui a acheté toutes les pièces d'une moto et qui les a refait dans son garage. Tu vois. Moi, je suis sûr que t'es le genre de mec là, qui a fait ça. Genre qui a acheté un châssis un jour et puis un réservoir le deuxième jour. Tu vois des trucs comme ça, tu vois des trucs de gueudin. Le fan qui me casse les couilles, la couille d'ailleurs. Parce qu'en Belgique, on n'a qu'une couille. Ah ouais, un madness. À vous, hein.
Moi, je suis prof des écoles, sinon, c'est un métier avec des collègues de merde. Ah. Et en un an, on l'a refait rouler. Putain, mais mec. Moi, tu vois, je veux pas aller. Je vais déjà essayer parce que je suis mécanicien. Ah oui, c'est ça que je voulais. Putain, merci! Eh, hey, Asop, c'est grâce à toi que j'ai retrouvé. Parce que, ouais, je voulais dire, je suis mécanicien. J'ai pas encore mon permis! MDR! Du coup, je suis en train d'étudier pour mon code. Et je vais passer mon permis d'ici peu. Inch'Allah! En boîte automatique. Manuelle, bien sûr. Parce que si je dois faire de la boîte automatique. Bah, déjà, j'ai pas accès à grand chose. Vu que je devrais que réparer des voitures automatiques. Mécanicien de quartier. Eh hey, frère. Je te change le joint de culasse, vas-y, pour 20 balles. Mais Assop, t'es sur le Discord? Ou t'es sur le Discord, mais t'as un autre nom? Salut Ulzerk. Hoffman, c'est le... Attends. Le trans... Attends. C'est le transmutationneur de la mort qui tue sa race. Un nom long. Putain. J'y passe rarement. Bah, elle passe plus souvent. Bon, il y a Hoffman, mais on s'habitue. Là, je suis un peu lent. Si vous me trouvez trop lent, vous me le dites. Je fonce un peu dans le tas. Non, je déconne. De toute façon, je vais pas vous écouter. Non, je suis un peu lent parce que je travaille. Et puis, on est là pour discuter. On est là pour se relaxer, les mecs. Bon. Toi, au fond, je te sens stressé, toi. Y'a pas de raison. Non, je veux pas dire, mais Ulfzerk, il te fait galérer. Il t'a fait galérer exprès pour se moquer. Il mérite, je suppose, de la grosse teubi. Non, parce que je l'aime bien, lui. Snitch plus de balise de tête. Non, c'est pas la... Je crois que tu confonds avec la mixtion qu'il y a dans la campagne US. Où en gros tu dois, t'as des genre de, c'est une mission d'infiltration en fait. J'en avais parlé au dernier stream, mais c'est vraiment une mission trop cool. Quoi. Le fait d'avoir une mission d'infiltration dans un RTS, tu vois, dans un jeu stratégique comme ça, en vue du dessus, c'est vraiment, c'est génial. Quoi. Le principe est ouf. Quoi. Laisse-moi être l'ombre, le chien. Jacques Brel. Ouh, pou dans ta gueule. Et en ce moment, je suis plus sur Hitman 2. Je me suis offert Hitman 2. Je me suis senti un peu baisé parce que je l'ai acheté. Et vu que Resistance faisait en stream, ouais, mais si t'achètes Hitman 2, t'es Hitman 1. Et j'avais pas compris, à mon avis, que si t'as Hitman. Premier du nom, si t'avais déjà Hitman premier du nom, il est déjà sur Hitman 2. Du coup, j'ai acheté le contenu à 15 balles, je crois, 15 balles pour le 1, et du coup, je surkiffe. Je suis en train de faire, mec, je suis qu'à la première mission, mais j'ai 20 heures dessus, je crois, j'ai 20 heures dessus. Je suis à la première mission parce que je veux tout faire hyper bien, mec. Genre, je crois que je suis à 80% de la première mission, j'ai quasiment tout fait. Il me reste juste, genre... tuer Margolis et l'autre connard Polyakov là, avec un lustre pendant qu'ils évacuent et les faire exploser dans la salle de sécurité. C'est deux trucs que je dois faire. Pour ceux qui connaissent un peu la carte. Putain, mais si j'ai des snipers teubés, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du matériel comme ça, moi? Et courez, enfin arrêtez. Ah tiens, oui, il y a un petit projet que je compte faire, c'est reprendre XCOM 2, parce que vous savez pas ce qui se passe derrière, mais moi, après chaque stream de XCOM 2, il y a mon frère qui venait qui fait « Mec,
Mais Christophe, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment mauvais, tu sais pas jouer, Jack. Tu vois, bon, bref, m'insultait de tous les noms, quoi. l'amitié fraternelle. Et du coup, en fait, utilise le E de ton sniper, ça te permet de rallonger la distance du spot. C'est quoi E? Attends. C'est moi qui fais ça? Quoi? C'est connerie ça? Putain, vous pouvez même pas me lâcher les roubignoles? Après la stream, il me prenait ses antidépresseurs pour se contrôler. Mais mec, je te jure, chaque stream. Tu sais, en fin de stream, tu vois, j'étais triste, mais au début du stream, j'étais vraiment. Allez, c'est genre, allez, on y va, on est obligé. Hein. Enfin, j'ai dit que j'allais le faire, j'ai fait le post Twitter, moi, donc c'est trop tard maintenant. C'était vraiment la déprime. Et mon frère, il m'a proposé un truc, c'est qu'en gros, on fait un stream tous les deux. Donc, il sera avec moi et on fera un stream ensemble. C'est un petit projet qu'on va faire. Et ça peut être cool de s'envoyer des fuyons entre frères. Moi, j'aime bien l'idée. Donc, disez ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, Benoît? Je crois que là, non, il parle avec ses potes. Camarade. C'est ce camarade en allemand. Ouais, je parle un peu allemand. Dis pétrodollars sur le frère. T'es ouf ou quoi? Mais on va pas se battre ensemble. On va se battre. Enfin, on va pas se battre l'un contre l'autre. On va se battre ensemble. On est frères d'armes. En plus d'être des frères. Putain, c'est beau ça. Bien plus que des frères, ils sont frères d'armes. Non, c'est une balise. Non, ça c'est F. C'est pas E. C'est F. Oui, je connais la fusée éclairante. Sauf que là, bon, ça ne servait pas à grand chose. Et surtout, je me fais éclater le cul. Tu sais bien qu'il va y avoir. Mais évidemment, il va y avoir un coup de pute, c'est mon frère. Hein. C'est avec lui d'ailleurs que j'ai été acheter un rhum pour mon autre frère. Parce que j'ai deux frères, Windsor, et je vais faire ça pour mon frère, vu que je vais enfin fêter Noël. Ouais, je sais, je fête Noël le 20 janvier, alors. Ça, c'est dans une famille de traiteurs. Hein. Oui, ben laisse-moi être... Non, mais on me dit pas ça. Putain, la vache, le cul de lionf. Eh merde. J'ai perdu quoi? Ça, je crois que j'ai pas perdu... Yes, j'ai des frontaux. J'aime bien les frontaux. Et moi, je ne fête pas Noël le même jour que le reste de... Putain, je crois que j'avais fait une connerie. Hein? On signale des forces allemandes approchant de votre position. Ne vous laissez surtout pas repousser. C'est-à-dire... Ah, putain, j'ai eu peur. Je respire. Y'a pas 2-3 chars. Ah, arrête. Envoie les 2 chars. Notre usine de véhicules lourds. J'ai jamais entendu une phrase aussi stylée de ma vie. Après, la phrase du... Ouais. J'ai envoyé ça, j'ai envoyé des frontaux là. Un char ici, un char là-bas, ça me semble agréable. On va se foutre quand même derrière des protections, hein, parce que bon, je sens qu'on va se faire quand même assez éclater le cul, me connaissant. Ouais, je me connais un peu. Je commence à me connaître. C'est quoi ça? Mitrailleuse. Ah, ça serait peut-être pas mal, tiens. Donc j'ai pas que des mauvaises idées. Ouf. Putain, j'ai perdu une unité. Oh non. Oh, ça, oh non. Il est joué pas beaucoup là. Il est toujours en 2018. Bah oui, bah écoute. Moi j'ai aidé mes parents pendant Noël. Je les ai aidés à bosser, à faire des trucs. Tu sais, moi, je ne mangeais pas de dinde. J'en côtoyais plutôt. Oui, la dinde. C'est des connards.
Mec, j'ai jamais été aussi ignoré de ma vie, ça me casse les couilles. C'est bonjour madame, ouais, donnez-moi une langue de bœuf plutôt. Bah déjà, bonjour connasse, fils de pute. J'espère que tu bouffes aussi bien que t'as pris la politesse parce que... Bah non, on va pas crever, c'est une légende urbaine. Mais fumez-les. On va déjà prévoir un peu. Hop. Oh, c'est dommage, je peux pas détruire le pont. Tant que j'ai pas rendu le joueur, j'ai... Tant que j'ai pas de bonjour, la dame, vous irez la chasser toute seule. Putain, truc. Tant que j'aurai pas un bonjour, la soupe de marron vous l'a dans le cul. Ouais, mais non. Putain, mais les casques, oui. Ta gueule. Tu vois pas que je suis occupé? Putain, insupportable, ce fils de pute. Ah! J'étais bataillon disciplinaire, c'est bon ça. C'est tombé, ma vie en dépend. Voilà. Hop, on les crame. Les gars, on les crame. Quoi, ils ont détruit mon char? Non! Ils ont détruit mon char! Bah merde alors! Bah merde! Tiens, mange. J'étais au yaourt pendant les fêtes donc. Demandez pas la dinde, ok. Les bataillons disciplinaires, c'est le bon plan, Poléon sur Warcraft. Les bataillons disciplinaires, j'approuve. C'est un message à la communauté européenne. Du coup, ça te tenterait le multi. Mais en fait, le truc. Ça me tenterait vraiment de ouf de le faire. Franchement, je kifferais le faire. Mais le jeu lag beaucoup trop, mec. J'ai essayé. Avec Hoffman, on a trouvé des mods et tout. Mais ils sont tous pourris, ils ne marchent pas. Ça me casse les couilles, quoi. C'est pas agréable. Ce serait pas agréable à streamer et à jouer. Honnêtement, moi, ça me casse vraiment les couilles. C'est, tu commences à avoir une des armées. J'ai même suivi les conseils d'Hoffman, donc pas faire des tranches de vin ou je sais pas quoi là. Et ça a marché pendant un moment, mais bon, dès que t'arrives en 1940, bon, t'as tous les pays qui commencent à avoir un peu des armées d'enculés, donc t'es quand même obligé d'avoir des putains d'armées d'enculés pour riposter, du coup, moi ça me cassait les couilles, du coup voilà. Et ouais, surtout que j'ai un bon PC, du coup ça me casse les couilles, tu vois. Tu vois, si j'avais un PC de merde comme mon ancien PC, ouais, j'en fais, ouais, non, peut-être quand j'aurai un nouveau PC. Mais là, j'ai un PC quand même pas mal, qui fait tourner tous les jeux assez récents, tu vois. Et franchement, avoir un jeu comme ça, mais au petit à la pisse, mais même quand tu... Le pire, c'est que même en ultra, j'ai les mêmes problèmes qu'en low, quoi. Ça me casse le cul, quoi, mais c'est un truc assez violent. Mais il y a beaucoup trop de trucs. Mais il y a beaucoup trop de mecs, putain. Et voilà, j'ai perdu mon chat. Putain, bande de merde. Voilà, hop, on en fait deux. J'espère qu'il n'y a pas d'autres vagues après, parce que moi, j'ai pas savoir supporter une autre vague. Évidemment, il y a un char. Voilà, c'est bon, j'ai plus. Attends, parce que bon, alors.
Bah, charge-toi de rouler sur la gueule tout le monde avant 1945 si tu veux. Demain soir, je te contacte par Discord. On verra ça après. Je te force pas, mais couteau sur la gauche, c'est le mien. Non, mais franchement, si tu veux, moi, il n'y a pas de problème. Bon, demain soir, ça va être chaud parce que je vais peut-être être crevé, mais ouais, je vais essayer demain. Il n'y a pas de problème. Si j'ai pas, je crois que je l'ai désinstallé parce que ça m'a gavé vraiment l'autre jour. Parce que j'avais une partie, enfin, j'avais des parties vraiment bien. Et j'ai l'impression que plus je joue au jeu, plus le jeu lag très vite. Du coup, ça me casse les couilles de plus en plus. Et j'aime pas ça quand ça me casse les couilles. Ce qui est logique, personne n'aime ça quand ça lui casse les couilles. Mais tu me forces pas du tout, hein. Moi ça me plairait énormément. Mais mec, je te jure, le jeu est vraiment mal au petit et c'est vraiment pas du tout jouable. C'est extrêmement désagréable. Mais t'es pas obligé de me citer, hein, mec. On n'est pas beaucoup à parler sur le chat, donc je fais devoir, hein. C'est pas comme si on était 650, donc. Et allez, des mortiers, tout dans le cul. Voilà. Putain. On se casse. On se... Non, 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 marche arrière, marche arrière, marche arrière. La dernière partie sur ROI, c'était la révolution communiste en France en 38. Ouais, voilà quoi, c'est ça. Et merde, j'ai perdu un T-34. Putain, mais je perds tout! Mais ça va pas le faire là. Ça va vraiment pas le faire. Et j'ai plus de thunes. J'ai plus rien, j'ai tout perdu, ça me casse les couilles. Je fais de la grosse merde parce que je vous parle, hein. Excuse-moi. J'ai peut-être une idée de mode qui pourrait. Mec, si t'as vraiment une idée de mode, mec. Oh, je te suce la teubie, mec, mais un truc de ouf. Parce que, mec, j'ai tout essayé, tous les modes. Hoffman, il m'a envoyé plein de modes et tout. Enfin, genre, il m'a envoyé trois modes, je crois que j'ai tous installés. J'avais même trouvé des modes de mon côté. Et franchement, c'est de la grosse merde. Tous ces modes ne marchent pas. Genre, il y a des modes d'optimisation si tu choisis le Brésil ou je sais pas quoi, les pays d'Amérique du Sud. Mais je m'en bats les couilles des pays d'Amérique du Sud. Si tu joues à Heart of Iron, c'est pour jouer ton pays, quoi. Enfin, du coup, ça m'a saoulé. Voilà. Avec les événements des rêves de mer, ça fait des révoltes générales. C'est pour ça qu'il faut faire un référendum. Comme ça, t'as pas de problème. Je crois que j'ai déjà fait les États-Unis en impérialisme, enfin allez, en Asie, j'ai fait en communiste. C'est vraiment parce que les idées politiques changent vraiment en 2 semaines dans ce jeu. Non, 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 bah non. Bah non. Bah non, les mecs. Non, non, bah avancez. Putain, mais cassez-vous. Oh là là. Oh là, je fais vraiment de la merde. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. Mais après, tu vois, je me suis dit, ouais, ROI 4, il marche pas. Bon, je vais mettre à ROI 3. Mais j'aime pas ROI 3, mec. Mais un truc de fou, quoi. J'aime vraiment pas ce jeu. J'aime vraiment pas. Je sais pas. C'est peut-être que c'est moins graphique et beaucoup plus stratégique, enfin design stratégique, t'as plus l'impression d'être sur une carte et c'est peut-être le truc que j'aime pas. Je sais pas, je sais pas. Allez, fumez-le! C'est compréhensible, bah voilà. C'est bien, comme quoi ton psy sert à quelque chose, il y a encore quoi 2 semaines, tu m'aurais traité d'hérétique parce que j'aimais pas le 3.
Il y a vraiment un travail sur toi-même. Je pense que ce mec, tu devrais le voir encore un peu plus souvent. Et Popo, Eridos, ou Darkest Day. Et oui, deux, HOI 2, je fais. T'es un hérétique, mais bon, essaie de te convaincre un petit peu, petit à petit. Ouais, franchement, j'ai vraiment du mal avec le jeu. J'ai essayé, hein. Le truc, c'est en fait, on te le lance dans le jeu et tu comprends rien. Même le didacticiel, tu comprends que dalle. Ça. Je comprends rien, moi, ça m'énerve. Genre, t'arrives sur le jeu, tu sais pas comment tu crées des unités. Quand tu crées des unités, bah, ça coûte rien, du coup, tu comprends pas. Mais après, au bout de deux jours, tu te retrouves en farif, tu sais pas pourquoi. Bref, je comprends rien, ça me saoule. Mais voilà, donc quand tu sais pas faire un jeu, déjà tu le sors pas. Quoi. Voilà, hop. Faites bon usage de ces lâches. Ok, on va récupérer nos putains de points. Pour la rodine. J'ai déjà envoyé mes quelques troupes disciplinaires que j'ai perdu. Mais tu devrais tester Ashogi 2. Il est assez lent, mais j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas. La vache, mec, là, cette phrase. Je la sortirai en cours de maths. Quand ceux qui feront, vas-y, mes points, je vais rater. Genre, ouais, la retraite, c'est pour les LH, camarades. Vous avez dit, je vous avais déjà dit que l'année passée, à mon examen de biologie, donc c'est une prof qui voulait tout le temps nous baiser, etc. Genre, si tu dépassais la ligne, enfin, genre, t'as la ligne pour écrire, si tu dépassais d'une lettre cette ligne, elle t'enlevait un point pour soin de la feuille, tu vois, donc une grosse connasse. Genre, le mec, il s'est levé quand on a reçu la copie d'examen, il a fait. Bon, c'était un gros blague, hein. Il a fait chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça nous avait tué, tu vois. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, c'est une petite fun fact que je lance comme ça, vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Franchement, il casse moins les couilles niveau gestion. Ouais, je sais pas, j'essaierai, je te dis, j'essaierai. Mais c'est encore dépenser de l'argent, hein. Ah là, il est grand. Non, il était catholique, c'était un noir casseux. C'est un noir bon. Là, 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 j'ai rien dit, Twitch. C'est un noir comme les autres, vu que les noirs sont des êtres humains. C'est une vanne, ok, Twitch, s'il te plaît. Je sais que tu supportes pas trop le monde. C'est comme sur un poste funéral. C'était un poste de funéral ou je sais plus de qui. Genre un truc un peu raciste, tu vois, mais genre gentillet, quoi. Et un mec qui a fait. Effectivement, tout le monde n'apprécie pas l'humour noir. Connard. Ouais. Je sais plus si c'était un truc de WAP. Je sais plus de qui, un poste de qui, tu vois, mais c'était un poste d'un des gars de la LMF et genre ça m'avait tué. Effectivement, l'humour noir n'est pas apprécié par n'importe qui. Boum! Dans l'yonf! Je t'ai fait une parisienne, comme on dit. Back en attente pour la rodina. C'est bon. Ça, on n'a pas trop mangé. Bon, il y a eux qui ont bon, ils ont un peu mangé leur face. Ouais. Et merde, putain, il y a l'ordre de 227. Fait chier. Non. J'ai chié, mec. J'ai eu grave peur, je pensais qu'ils allaient en balancer sur la gueule, j'ai quand même eu un peu peur. Dératise-moi un peu ici, tu vois. T34, prêt. Prêt à dératiser du chleu.
pas à faire du scroll à la poire. Mec, tout à l'heure au magasin. Attends. Parce que il y a notre ami de tout à l'heure qui m'envoie. Attends. Hop. C'est. Tu m'enverras des messages après, mec, comme ça. Parce que sinon, ça fait un peu chier pendant le stream, tu vois. Mais je te dirai ça après. Dératise-moi la map. C'est dégueulasse. Je vais en garder deux là. Putain, mec. Mais même eux, ils disent qu'il a besoin d'une unité suicide. Hein? Parce que nous, on est là. Aïe! Ça chaud dans mon coin. Mais si tu veux, j'ai une. Attends, j'ai une Intel Core i5. Je sais plus combien. Une MSI. Enfin, une GTX. Une Nvidia GTX 1070 Ti. Je te dirai les détails supplémentaires après. J'ai une MSI, je sais plus quoi, en carte mère. Bref, j'ai un truc pas mal, tu vois. Donc, j'ai pas un truc dégueu, quoi. Franchement, ça va. Je te jure, en plus, il y a tellement de mods et je suis sûr que la moyenne. Quand c'est pas MST. Eh, hey, trop drôle, vas-y, écris un one man show et nique ta mère. J'ai fait bugger le jeu, quoi. Ah non. Dis-moi que c'est les derniers que je dois buter. Parce que ça me saoule, là. Ça fait quand même presque une heure et demie que je suis sur cette partie, en fait. Aïe. Putain, ils sont de l'autre côté. Moi, je vais me les faire. Eh hey, les copains. Del de la rame mon petit popo. Ça devrait pas laguer des 40. Mais j'ai 16 gigas de RAM donc je comprends pas. 12 gigas de RAM donc je comprends pas. 12 ou 16? C'est quoi je fais 12? 12 ou 16? J'ai entre 12 et 16. Et mec, le jeu il est sorti quoi en 2014, entre 2014 et 2010. Enfin, ça devrait pas laguer quoi. Putain, mais c'est pire que Crysis quoi. Enfin, c'est. Enfin... 12, c'est 20 qui manque quoi. Tu vas pas me dire qu'il me faut 36 gigas de RAM pour faire tourner ce putain de jeu. C'est déjà trop. C'est déjà trop beaucoup. Trop beaucoup. Il y a beaucoup de trucs, je crois que là-bas ça va chier un peu. Ça me fait chier d'avoir perdu mes Katyusha parce que ça m'aurait bien servi là par contre, tu vois. Pas grave, j'ai les mortiers. Oui, 32, wow, ça va. Je suis mécanicien, pas mathématicien. C'est une barrette de RAM qui a cramé, mais non, attends, il est tout neuf le PC. Et en plus, j'ai déjà vérifié, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Étant donné qu'il y a une barrette qui se soit explosée. Tu vois, je te défends pas. Ça, c'est. Ah, c'est gentil. Ouais, mais vous, les historiens, vous avez des dates. Ouais, 1489, 1515, Matignon. Je connais pas l'histoire de France. Même si on voit exactement la même. C'était une vanne, Hoffman. Je te précise parce que bon, pas l'air d'être ultra réceptif. Ah oui, attends, on y va pas tout de suite. Stratchiki, mec, vous avez du boulot sur la planche. Je vais me fumer ces gars là parce que. Don't understand the humour. Les moteurs. Le moteur.
Je suis devenu le moteur de mon pays. Je suis devenu... Salut Chubby. Wesh wesh négro ou pas? Wesh wesh bien ou pas? Fumez les lèvres, allez, ah, pas chiant. Ouais mais moi je te dis, je l'ai fait tranquille moi. La mission, moi je la fais tranquillos, bilos, tu vois. Je vais pas me stresser. Oh y'a, qu'est-ce que c'est tellement bien les bataillons disciplinaires. Je kiffe les bataillons disciplinaires. Ah la Mdouli là, papy popo. Comme on l'appelait dans l'armée. Quoi? Ah ok, putain, putain mec, ils ont tous reçu un renseignement en même temps, c'est trop stylé. J'ai pas les trucs améliorés chez les gars là. Mon petit lance-flamme. J'ai plus de thunes pour faire d'autres lance-flammes. Ah, il est bon là. Eh, ça va, ça va. Au moins, je la reprenais Stalingrad. Hein. Allez. Non, c'est vrai, je pensais que c'était des cacahuètes moi qui me tiraient dessus. Qu'est-ce qu'ils sont cons, l'état-major. Oh la vache. Burning the Mother Russia. Et ce qui est cool avec les Russes, c'est les fusions d'unités, mec. C'est beaucoup trop bien les fusions d'unités. Regarde, hop. Troupes disciplinaires en attente. Je kiffe les bataillons disciplinaires. Franchement, tu recrées une unité de bataillon disciplinaire. Bon, en France, ça a gueulé. En Belgique, on s'en fout de tout, donc. Mais tu crées ça pour les prisonniers qui sont un peu casse-couilles. Tu les fous dans l'armée, tu les fous en première ligne. Pour faire sortir, c'est comme les appâts, faut faire sortir le loup du bois. Bah là c'est pareil, moi avec des djihadistes. Putain, c'est tellement raciste. Les hommes sont prêts, chef. Yes. Et bon, toi, tu devais être aimé, toi, par tes collègues. Ouais, fuis sache de ces connards. Eh non, tu fous deux bataillons de sécu à côté. Pour un bataillon de sécu, t'as deux bataillons de sécu derrière avec une balle dans le cul, tu vois, donc... Je sais pas, s'il y a pas un truc... Mais il y a un truc sur la route, là, d'office, y'a un truc sur la route. Mon fils, il est pas pidi. Tu vois, je le fais doucement avec un minimum de pertes. Moi, je respecte mes hommes, monsieur. Là, hop. Je prends soin de mes hommes, ok. Je leur donne des soins pour la peau. Je leur fais des spas. Et oh, ils sont vachement pénés, l'armée russe, non? Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, ils se tartinent d'hiver à longueur de journée. Allez, c'est vrai que je critique pas. Si Russian Vanguard, je suis désolé d'avoir critiqué l'anniversaire parce que c'est beaucoup trop bien. C'est bon, je peux partir. Crème Nivea, si tu étais là. Putain, Poléon, c'est Angel Phoenix. Crème Nivea, si tu étais là. Fumée légère sur au cul. Et les engelures. Il est midi et je me réveille. J'ai le zizi tout ratatiné. Ah, crème d'hiver, si tu étais là. Fumée légère sur. Oh, ouais, on commence à chanter des chansons de paillard. On commence à chanter des chansons de paillard.
J'ai mangé là, non? Putain, mais j'ai mangé de ouf en fait. Il est gros puissant ce truc contre l'infanterie. J'ai perdu tous mes stratchiki. J'ai perdu tous mes ziggy-wiggy. Bon, yes. On va pouvoir fumer des clopes dans les toilettes. Putain, quel fils de pute. Tout ce que t'as, tiens, mange. Bim, dans le cul. J'en ai plein d'autres. J'en ai plein. un troisième. Non, un troisième. Ce serait de la gourmandise. Non. Tiens, mange. Duilly, 5 minutes avant, je prends soin de mes hommes, moi. Bah, déjà, bonjour. Ils ont tous péri par le feu. Arrêtez, comme un chien. Ouais, c'est un peu ça, ils ont... Mais... franchement, ça va. Enfin, quand tu regardes bien, il n'y a pas que... Sur ce tas de morts, il n'y a pas que des mecs bien, je suis... La preuve, ils étaient dans des bataillons disciplinaires. C'était pas forcément... Mon gentil. Je vais faire ça, tiens. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, tiens. Ça, j'aime beaucoup, tiens. Ah, putain. J'ai le dos en compote de cerise. Y a pas un truc, là, dans la petite tour? Je suis sûr qu'il y a un truc dans la tour. Allez. Ah, non. Extrêmement déçu. Yes. Que j'allais sacrifier ces 4 mecs pour aller voir ce qu'il y a en face. Et pour envoyer une bombe aussi. Ok, donc y a... Ah bon, je crois que c'était un marchand de glace, moi. Putain, mais merci, quoi. On est pas aidé, hein. On est vraiment pas aidé. Super. Allez, vous êtes des chars, vous êtes pas des Renault 5. Ça marche pas parce qu'il y a eu des chars Renault, donc ça marche pas. Dans leur base, oh ça va. Peut-être se calmer 2 secondes. Yaouza. Enfin, Yazato, je sais pas pourquoi je dis Yaouza. C'est dans quoi Yaouza? Yaouza, je sens que c'est une série de merde, un truc du style, genre où ils font ouais, on dit Yaouza, enfin je sais plus quoi. C'est pas dans H. Aucune idée. Yaouza, je sais plus. Bah voilà! Qui a dit que j'étais lent? Je vous ai dit, je rentre dans ma phase pépère là, hein. Donc on fait l'émission tranquillos. Yes. Petit doigt dans la base. Grade que j'ai compris que vous perdiez toute votre autorité. Ouais, oh. Parce que j'ai pas fait tuer tous mes hommes? Parce que j'ai combattu avec eux, c'est ça? Oh, il est vénère. Ordre, comme nous tous. Un bon officier suit les ordres, sans réserve. Je comprends pas, il y a des réserves dans les hommes, enfin dans les ordres. Mais c'est quoi, c'est lui qui donne des refroidissements, c'est de lui là, je comprends pas. C'est quoi, elle est où la réserve? C'est la réserve du carburant. Papy Poléon, la guerre tranquille. C'est ma devise. Tu sais quoi, ce sera le nom du prochain stream sur, si j'en fais un autre sur Compagnon Firoz. Papy Poléon, la guerre tranquille. C'est quoi la prochaine mission, je sais pas. Octobre 1942, Stalingrad. URSS. Dans la communauté publique, Hitler jura à l'armée allemande de jamais à Stalingrad, cependant, un ravitaillement en vain arrivé l'hiver. Mon cul sur la colonne. On dirait un vieux film porno. Papy Poléon, la trique enchantée. Ah non, c'est la mission avec plein de snipers.
Oh, c'est bien fait. C'est la voix de 80%, de 80% des personnages de Oblivion, ça, et aussi de la voix des 80% des personnages de Dawn of War Dark Crusade. Mais nous avons besoin de connaître les mouvements des divisions allemandes alentour. Ils ont dû avoir un quartier général avancé dans cette région. Mais il semble que des tireurs d'élite allemands mettent tout en œuvre pour nous empêcher d'avancer pendant que leur division de Panzer prépare une contre-attaque. Débarrasser la zone des tireurs d'élite, puis chercher des renseignements. C'est con quand la deuxième partie de la mission. Avant qu'il ne lance une autre attaque. Je sais plus c'est quoi la deuxième partie de la mission. J'ai oublié. J'ai oublié. Oublié. Allez là. Oula la vache. Bon bah eux ils se démerdent déjà. On va direct faire une autre escouade de sniper. De sniper. Ouh là là, ce snapper tu nous aimes, que faisons-nous? On balance un tir d'artillerie, camarade capitaine? Ta gueule! Pauvre con, au goulag! Tu rigoles, ça va dépenser les munitions! Oh! C'est pas fait pour ça! Bah si, camarade capitaine! Oh toi! Tu vas la manger celle-là! Hein. Elle va partir! Hein. Bien reçu, je me déplace! Bien reçu! Reçu aussi. Vous pouvez me dire pourquoi les ennemis me repèrent plus vite qu'alors que je suis sniper? Je suis quand même avoir une vision d'aigle de ouf, non? Ah, aigle allemand, t'as compris? J'infiltre le territoire ennemi. Sniper en mouvement. Comment ils nous ont vu? Bah devine. Allez, fume-les, vas-y. Vas-y, 3 contre 2, vous les fumez là. Faut que je fasse un mortier aussi. Un petit mortard des familles. Mortard le tartare, comme on l'appelle dans le métier. Elle est partie, tu l'as pas vue. Jesse Owens, ce coureur noir américain extrêmement rapide. Il est là, il est plus là. En rentrant dans son pays. C'est bon, je peux respirer ou pas? Quels sont les besoins? Mais oui, mais c'est tes ennemis, donc oui, forcément, ils vont te tirer dessus à un moment ou à l'autre, hein. Il écoute personne, papy. Écoutez, F. Mais je. Est-ce que tu vois le nombre de munitions que j'ai? Je ne peux pas. C'est pas que moi. C'est je ne peux pas. Depuis combien de temps? Changement de position. Mon fusil. Besoin d'aide. Je vais où on a besoin de moi. Il y avait des fois, j'ai fait assez de guerre pour avoir sa propre stratégie. Voilà. Bah t'économises, bah non. Eh mais oh, si j'économise, c'est du temps. Et si je. Oh là. Aïe. Toi tu te casses déjà. Mais non, il a fait super rapidement celle-là. Il est où? Fume-la, putain! Il me casse les couilles cette mission avec les snipers. Thank you. Poléon, démission. Ah, toi, tu vas pas commencer. Vous avez vu que vos flics maintenant tirent dans les mecs, dans les pompiers volontaires de dos? Bravo, hein. Merci Macron. Ouais, non, c'était pas une blague de. J'avoue que celle-là, bon. Ah oui, tiens. Eh, pas con. Si le sniper peut pas le faire, le mortier, il va te niquer le sniper. J'ai pas. 1h75. Ça fait 2h15 en fait. Eh, mais quand on est pas fuité. Excuse-moi, chef. Ça, t'en m'attendions tout? C'est ça, fuis. Fuite armée. J'avance.
Il est où Tchécaïsine? Non, parce que déjà c'est soviétique, je touche pas à ça moi. Oh, elle est pas fou hein. Comme mon bic. Aïe aïe. Vas-y, tire, réfléchis pas, tire ta mère. Tire. Mais... Voilà. C'est... Bah voilà. Ces fantassins ne m'échapperont pas. Non, c'est vrai. Bon, je pensais que c'était tes petits gâteaux qui t'envahiront. Eh bon appétit. Putain, mais hey, vous êtes con, vous prenez des cours. C'est quand même... Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Tiens, mange. Putain, ils mettent du temps à avoir de l'XPE. Faut se lever tôt, hein. Bah tiens. Il est où? Il doit être dans le coin. Ici, dans un des immeubles, je dirais. Mais on va fumer. J'espère que t'as mis le 105 au petit matin parce que mec, tu vas t'en manger quelques-uns là. Je vais ratisser la zone. Dans le dernier stream, je disais que genre, ils avaient des phrases stylées les Russes, mais en fait, pas tant que ça. C'est un putain de 82, pas du 105. Bah déjà tu te calmes, oh. Oh, les pointueux sur les détails. Surtout que t'étais le premier à lever ta main en classe. Madame, moi j'ai réponse. Oh, pourquoi vous m'avez pas appris? Ça... Moi je t'aime pas. Je l'ai touché, je t'aime pas. Putain, démasqué. Mais t'avais dit qu'on mangerait des knackis. Un sniper est arrivé. Perfecto. Si, signore. Changement de position. On va prendre des petits gars d'ingénieurs et ils vont construire un truc pépère. Portier 82, PM41. Putain, mais il casse-couille, quoi. Alors oui, selon la loi des séries de Proust... Ce n'est pas un mortier, mais un lance-projectile explosif. Souvent utilisé dans les campagnes du Nord au début du XVIIIe siècle. Putain, mais montrez vos gueules un peu là. Faisait risette. Comme c'est lecteur risette. Ça sert à rien, à rien. Comme ça, le... Il est où? Bim. Putain, mais chopez-le! Voilà. Ah là, il me casse les couilles, il serait peur. Les éclaireurs ont trouvé des caches de carburant et d'armes pas loin d'ici. Yes. Prenez-les pour augmenter nos réserves. Peut-être se calmer deux secondes. Putain, me... Ah non. Mais j'ai une vie. Peut-être de l'espoir aussi. Non mais au niveau matériel, ah je sais pas.
Tu sais, le commandant trop dépressif. Ça, je sais pas. C'est eux, c'est lui, arrêtez. Cassez-vous les mecs, cassez-vous, cassez-vous. Eh merde. Fais chier le fion. Non mais, oh, mais ça m'énerve. Là, là, dans les étoiles, le cœur comme un soleil. Yes. On sera toujours sûr qu'il fait cette phrase. Mais seulement pour les gars qui sont vraiment malades. Hein. Pas de pilule contraceptive, il n'y a rien du tout. Hein. Nous, on va en passer à nous. Putain, ce surprise, on dirait Kaiba quand il est content qu'il a pioché. J'ai jamais vu Yu-Gi-Oh, donc je peux pas te dire. Je me déplace. Je vais abattre la section anti-char. Donc ça c'est fait. Je crois que ma mission préférée c'est celle où genre tu joues des snipers en Pologne. Les officiers du NKVD sont partis. Yes. On a d'autres recrues à notre disposition. Toute retraite entraînera la mort. Je bouge. Un hôpital, c'est pour ceux qui sont déjà morts. C'est une logique, certes. C'est pas non plus. Si vous voulez faire du dégât, ben déplacez-vous. Qu'un lâche, un traître. Certes, mais au moins ma femme m'a pas trompé. Pardon ? J'ai rien dit. Oui, j'ai rien dit, chef. J'ai rien dit, chef. Il tire. Mais dit. Voilà. De se relâcher, de se manifester. Parce que moi, il me reste des balles. Hein. Alors attention. Parce que ça peut partir. Je vais où on a besoin de moi. Les supérieurs ont annulé l'ordre 227. L'infanterie ennemie me tire dessus. On a besoin de moi ailleurs. Tire avant lui, tire avant lui. Yes. Yes. Putain. J'avoue que la chair un peu du cul parce que... Ouf, c'est un petit peu de temps d'action. Il en reste quand même un dans la zone, on doit être dans les ruelles ou dans l'appartement là. Ouais. Je sens bien là. Ah ouais, ok, donc... Attendez, je vous amène des copains. Surprise. C'est Riri. Kikiri, celui qui t'encule dans le taxi. Ah vache. Ah, putain. Je sais pas pourquoi je balance des molotovs, je déteste cette arme. Enfin, pas IA, je m'en fous, mais genre dans le jeu, je l'aime pas du tout. Quoi. Je trouve qu'elle est pas utile. Quoi. Coucou, salut Suprême MTE. Bah MTE, salut mon chambellan. Pourquoi tu t'as changé ton pseudo?
Allez. Ouais, t'as raison. C'est pas moi qui perds toutes mes troupes. Oh putain. Je suis pas là. Mais il est là. Il est en plein milieu de la rue d'où tu le vois pas. C'est incroyable. Non mais... ça... ah ça va me saouler ça. J'ai prévu sur Discord, mange ton étron. Ça fait un peu longtemps. Oh. Évidemment, c'est pas... je vais faire un autre là, celui qui est bien. Ah merde, je crois que je peux pas le faire en fait. C'est où? Putain, je peux pas le faire. Je sais pas pourquoi ça goûte la cerise. Ou en gros, goûte la cerise. J'ai pas bouffé de cerise, quoi. J'ai vomi des carottes alors que j'ai pas mangé de carottes. C'est magnifique. Yes. On explore un camp à l'est de votre position. Couvrez-nous, camarade. Comment ça, couvrez-nous? Putain, me dis pas qu'ils sont bloqués par... oh, les teubés, quoi. Voilà. Les teubés, quoi. Alors, on va bombarder un peu là. Juste pour voir, hein. Hey mec, je suis un peu lent, certes, mais au moins je m'amuse. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi ça va. Ça va. Putain, il est où? Et pourquoi quand j'arrive avec mes snipers, ils arrivent tous par 200 là? Ouais, c'est bon, non, bah, la cavalerie, ça m'a saoulé, moi. On tire en bas! Eh merde. Tant pis. J'en ai plein d'autres derrière. Je m'en fous, hein! J'en ai plein! J'espère bien. Hein. Bon, je sais pas si ça te fait plaisir, mais vraiment. Il y a un truc voilà. Tiens, Hoffman, toi qui t'y connais un peu plus en Troisième Reich que moi, c'est vrai que les Allemands ils étaient complètement défoncés lors de la conquête de France ou c'est juste une propagande un peu pour faire des styles ouais, s'ils ont gagné, c'est parce qu'ils étaient défoncés. Alors? J'attends ta réponse. Vous avez 2h30. Ah, on entre en territoire ennemi, mais oui, t'entres, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux gagner. C'est quand même ça le principe du jeu. Tiens. Tiens. Putain, mais quand t'as plus d'une escouade, c'est quand même vachement plus rapide. Ah, ah. On se casse. Non. Là par contre, non. Tiens. Là, il va falloir de l'anti-char, mais direct. Parce que je lance pas mon infanterie là-dessus. Sans un minimum d'infanterie et sans un minimum d'anti-char. Hoffman. Et du coup, je t'ai posé une question quand t'étais pas là. C'est vrai que les Allemands ils s'étaient défoncés pendant la conquête de France ou c'est juste de la propagande pour dire que si on a perdu c'est pour une raison?
sais plus ce que c'est la drogue qui disait qu'ils avaient utilisé là. Genre c'était une drogue genre à base de caféine ultra forte, je sais pas quoi. Bah dans leur ration il y avait des pi plus. Oui mais ça chez les Américains aussi, il y avait des trucs qui leur empêchaient de dormir pendant genre 24 heures. Fait ça du speed. Ah ok ouais. Donc ouais le petit plus sympa quoi. Le petit plus quand même très très sympa. Besoin d'aide? Camarade? Allez. Préparez-vous, on bouge. Ah au poteau, je t'explique. Tire. Vite. Oui, bah j'ai vu, merci. Je sais pas comment je vais faire, j'ai pas de char, j'ai pas droit à des chars, enfin. Franchement, j'ai hâte d'être à la fin du jeu où je peux avoir tout ce que je veux au monde. Ah, j'avoue, je peux décorer ça. Bim. Moi j'aurais bien aimé le reprendre ce truc. On a d'autres recrues à notre disposition. Ouais, pour l'instant non ça. L'armée rouge à votre... Là on a 6 snipers, ça va être bon là. Il n'y a pas de lâche ici. Bah pff. Sniper en mouvement. Excuse-moi, c'était pas du spirit, c'est encore pire que c'était de la mette. Ah ok, donc grosse ambiance. Eh merde. C'est même surfumé quand t'as plus d'une unité de sniper. Hein. C'est vraiment pas du jeu. L'ordre 227 a été annulé. Oh cool. Pervitine, voilà, c'était ça. Ou appelé courtoisement Pervitine. Yes. Je rush pas. Oula, je partage pas. Mais merde. Ah, bah. Ce char est endommagé. Regardez la tourelle. On n'a rien à craindre pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut les contourner, mon gars. C'est ultra addictif. Bah ouais. Tu mets Stun et Sharden. Tain, si je commence à faire des backforce un peu russe, ça va pas le faire. Je bouge. Voilà. Bon, tu bouges, ça commençait à manquer dans certains coins. Attends quoi? Donc quand la bouffe a commencé à manquer dans certains coins, les cela a commencé à avoir un gros tour d'acide bien bien déter. Bah tu m'étonnes. Ici les troupes de choc. Oh vas-y, comment il déboîte ce spot. Changement de position. Comment il claque ce spot. Ah toi, le surf. Hein. Bah je bouge pas. Bon, voilà. T'as des récits. Attends, hop. T'as des récits qui expliquaient que certains de leurs potes commençaient à gueuler, à courir hors des lignes pour se suicider sur les lignes allemandes. Sur les lignes adverses, je suppose que tu voulais dire. Sans armes, sans rien. Putain, la vache. Les lignes russes, ouais, c'est ça que tu t'es corrigé. Oh la vache, ouais. On peut dire quand même que vous êtes fait défoncer par une bande de junkies ou pas. On peut le dire ça quand même.
Bon, 60 de population, c'est quand même pas beaucoup, hein. Je m'en rends compte. Oh là là. Oh là 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 là. Yes. C'est bon ça. C'est très bon. Du coup, plus qu'une zone à faire. Allez, fume la fume la fume là. Non, c'est une idée de merde, c'est une idée de merde, c'est une idée de merde. J'ai déjà eu des idées un peu plus intelligentes, mais celle-là, c'est vraiment une idée de merde. Tiens. Oh la vache, je le lance de grenade, quoi. Ça va faire boum. Hop, petite note, hein, c'est une grenade. Oh vache! Oh lui il a mangé un peu quand même. Qu'est-ce que j'aime ce jeu? Mais bon, c'est drogué, ils étaient ultra déterminés, même pas drogués, bah ouais, c'est. Les mecs, c'est quand même fou, hein. Les gars, ils avaient quand même une armée pourrie, et quoi, en quelques années, ils ont fait une armée de ouf. Avec des commandants qui avaient des stratégies hyper innovantes. Enfin, franchement, c'est l'histoire comme ça. Enfin, c'est ultra cool. Enfin, ultra cool. Non, c'est pas cool, mais c'est ultra impressionnant. Enfin, comment ça s'est passé, quoi. Ouais, c'est le moment un peu serious, seriously. Défoncez-moi ce sniper de merde. Donc normalement, il m'en reste plus qu'un. Voilà. Ok, je me casse. Encore? Et ils ont que ça, ils ont plus que ça les Allemands, quoi. Ça par contre c'était con. Les vieilles unités sont transférées pour laisser de la place aux nouvelles. Toi, tu vas me détruire 2-3 trucs. Toi, tu vas me détruire 2-3 trucs. Ou le SA, des débuts, ils ont entraîné. C'est quoi le SA? Ah, c'est pas le truc qu'il y avait avant les SS? C'est SS qui veut dire Schulstaffel. Qui veut dire brigade de protection. Hop, ah, petite minute culture aussi. La LMF, c'est blague de cul siffler. Storm map telung. Storm map telung. Les chemises brunes, ouais, voilà, c'est ça. Et dans la SS, t'avais quoi? T'avais donc. Attends. Donc, t'as la. Totenkopf, donc celle qui s'occupe des camps de concentration, les bataillons à tête de mort, donc la Totenkopf, la Waffen-SS, et il y en a une troisième qui était une police, mais je sais plus laquelle c'est. Totenkopf est là, je sais plus. En gros, dans la SS, t'as trois types de SS différents. Donc dans la Waffen-SS, qui est le groupe armé de la SS. T'as la Totenkopf, donc les bataillons à tête de mort qui eux s'occupent des camps de concentration, et t'as un dernier qui est plus une police, une police politique en plus, quoi. Et c'est pas la Gestapo, c'est un autre. J'ai oublié le nom. Ah, ça va venir. La Totenkopf, c'est devenu. Bah, je sais plus tout ce que c'est là. Bah, y a un nom en tout cas, attends. Y a un nom en tout cas pour les SS punis qui devaient gérer les camps de concentration. Et je me sens que c'est la Totenkopf, hein, mec. Non, c'est un autre truc, c'est aussi un nom en allemand à rallonge, comme. Voilà. C'est ça.
Non, il y en a trois, mec. Il y en a trois, j'ai regardé un truc, j'ai lu des trucs, il y en a trois. Et j'ai oublié le troisième. Je t'ai eu, je rejoins l'endroit. Position confirmée. Capturez cette mitrailleuse lourde soviétique. Destination repérée. Et merde. Putain, j'ai déplacé ma fenêtre. Attends, c'est quoi? Alors, la SS. Alors, petite minute historique parce que bon, ça m'énerve. Alors, organisation. Organisation. C'est pas ça. Répétition géographique. Non, c'est pas ça. Restauration 34. Non. Reconstruction 41. Non, c'est pas ça. Non. Fallait au bas groupe de fureur, ça je m'en fous. Voilà, la Allgemeine Schulstaffel. Voilà, la Allgemeine SS. C'est le truc administratif. La Obersnit. Sont divisés. Non, ça c'est pas ça. Non, ça, donc la Allgemeine Schulstaffel. T'as la. Abschied. Abschied. Je vais en donner. Non, c'est pas ça non plus. La SS Standarten, voilà. Voilà. Voilà, non, c'est tout. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est bon. Donc voilà. T'as la Standard, donc la Handgunarm, je t'ai dit là. Et la Waffen. Allez, on les fume, on les nique, on fait tout ce que vous voulez avec eux. On viole leur maison et on tue leur femme. C'est pas ça. Ouais, voilà, c'est mes hommes qui ont tout pris. Hop. Mais en tout cas, c'est gentil d'avoir essayé. Ahmed. Qui c'est qui me parle? Voilà. Putain. Ma section va rassembler des informations et rentrer au QG. Voilà. Je sais plus ce que c'est la deuxième partie par contre. Oh non, c'est pas le moment où genre le gars il tombe dans les décombres. Oh ouais, c'est ça. Oh non, l'affreuse. Prenez tout ce que vous pouvez. Fais chier. Ah, j'aime pas. Oh non, dehors, tout le monde dehors, tu pouvais pas ouvrir les mirettes, non, et regarder un peu avant, non, ça, non, c'est au-dessus de monsieur, ça. Camarade capitaine. C'est moi. Tenez bon, je vais vous aider. Non. Laisse-moi, Yuri. Puis s'appelle Yuri. Je suis coincé. Je suis pas ton chef. L'ennemi va bientôt arriver. Et dis à ta mère que je l'ai baisé. Va-t'en. Pars, c'est un ordre. Pars, c'est un ordre. Super. Vous aider les copains, voilà ce que ça vous amène. Oh, moi, je suis un milliard.
Et le gars il part en secondant. Non mais ça m'énerve, super, moi je vais aider les copains, super. Non elle est chiant cette deuxième partie. J'ai un temps limité en plus. Tu en es sûr, Yuri? Major Polivanov n'autorisera pas une mission de sauvetage. Oh ta gueule. Ils ne l'ont pas vu. J'en suis sûr. On doit libérer le capitaine. Je ne le laisserai pas mourir. Très bien, Yuri. Trouve un soldat du génie. On va aller libérer le capitaine. Oh, il faut les soldats du génie. Aïe 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 aïe. Oh putain! Pff, évidemment, ils ont tout, eux. Oh putain, ça me gave quand le jeu il est pas équitable comme ça! Mais en difficile, c'est vraiment je t'encule par le fion, on se dira bonjour après quoi. Tiens, ta gueule. Putain, j'aime pas ces démons. Ah là là! Oh, ça va me saouler. Je vais perdre tous mes hommes. En plus, j'ai un timer. Oh! Je déteste ce jeu, pourquoi j'ai voulu faire un stream dessus? Je déteste ce jeu. Bon, il y a sûrement des gars là. Et en plus, il me donne pas plus de population, ces fils de pute quoi. Ce sera après que tout soit passé qu'ils me donneront un petit peu plus de population pour pouvoir me faire niquer après. Quoi. Voilà, hop. Considère cette partie comme la... Je dirais pas que c'est la pire, non. La pire, c'est la mission vraiment du début, là, où tu perds tous tes objectifs. Celle est bien... casse-bonbon, là. Et ouais, je suis poli, ouais. Ça m'arrive. Ta gueule. On a perdu R, ok. Et voilà, il y en a un troisième. Parce que plus on est de fou, plus il y a de rire. De fils de pute. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. Putain, mais j'arriverai jamais en 4 minutes! Comment tu veux que j'arrive? Ça sert à rien, ça sert à rien, ils sont bloqués, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai plus de mortier. Eh, hey, on rage pas, hein. On rage pas, eh. Hey, c'est la bonne humeur ce soir. Faut gagner cette nuit. Ah, super. Eh, hey, merci ta vanne de 1983. Tu veux pas te renouveler un peu? Je commence un peu... J'avoue, je commence à être salé. Ouais, j'avoue. Pff, mais je peux rien faire, quoi. Je peux absolument rien faire. Ah oui, c'est vrai, c'est l'option qui sert absolument à rien dans le jeu, ouais. Yes. Merci. Putain, autant les Russes, quelquefois, ils ont des bons trucs en trucs de commandement, mais autant des fois, ça sert juste à rien, quoi. Le marquage de Sar, ouais, super. Voilà. Mais t'as vu toute la fonderie? Mec, j'ai plus qu'une minute pour faire, j'y arriverai jamais. Ah, t'as vu toute la fonderie qu'il y a? J'arrive. C'est impossible, impossible. C'est impossible, je vais recommencer. Je vais recommencer. Non, je peux pas. Voilà. Charger, hop, derrière sauvegarde automatique. Voilà.
Oh là là là. Oh, ça me saoule quand le jeu fait ça. Avec le seul moyen de préparation d'enculé durant la première partie et de rush comme un enculé. Bah tu pouvais pas me dire ça pendant la première partie, hein. Ça c'était un peu compliqué. Bah je vais faire ça maintenant quoi. Je vais la faire à la Hoffman, hein. Trouve un soldat du génie. On va aller libérer le capitaine. Le capitaine. Là, je vais mettre ça en soutien. Y a pas. On s'en fout. On ignore tout le monde. Tout le monde. Hop. Et voilà. Tuez les forces allemandes dans le secteur. Il y a personne dans le secteur, il y a personne. Il y a R, il y a personne, ok? Non, heureusement fait que j'ai des snipers parce que c'est vachement utile. Y'a R, salut Foxy. Y'a absolument. Putain, mais regarde toute l'infanterie qu'il y a, mec. C'est quoi que je viens de tuer? Quoi? Mais non! C'est une vanne. Oui, mais tu l'as déjà dit ça. Tiens. Hop, vas-y. Ah, on la ferme sa gueule. Hein. C'est fini? Ah, yeah? C'est fini? Soldats du génie tentent de libérer le capitaine Isakovitch. Tenez ce secteur jusqu'à ce qu'on puisse extraire le capitaine. Ça, après, normalement, je gère. Franchement, je gère. La prochaine, ça va. Oui, je connais. J'ai les mêmes à la maison, je connais. Voilà, hop. Franchement, le prochain, faut juste tout planquer. Enfin, tout planquer. Tout mettre. Hop, tac. Mais j'ai que 60 toujours d'infanterie. Enfin, d'artillerie. Sérieux? Oh, il est pas fermé. Oh. Pas les conneries avec. Hein? Bon. Peut-être si un peu, mais non, pas là. Ouais, d'office. Va chercher ça. Direct. Je gère, on note. Tu vas voir. Franchement, 6 minutes, ça le fait. La dernière fois, j'ai réussi avec une intégrité de 80% de mon QG, ou 90%, enfin 90%. Franchement, ça se fait. Ça se F, comme on dit. Ça se Zahef, comme disent les Jones, les rigolos. Voilà. Ça arrive d'où? Ah, de là. Hop. Allez. Que dalle. Absolument rien qui a attaqué. C'est que des mensonges créés par les Allemands pour nous mentir ça. Et toi tu fais rien toi.
Tiens, mange. T'inquiète pas, je gère. Hop. Je gère comme au Koweït. Je sais pas si c'est peut-être un point positif, mais... Ramène ta gueule. Hop. Ramène ta gueule à la récré, comme on dit. Hop. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Ah la vache, y'a tout qui pète, allez. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Alors lui, je l'attends. Vas-y, tire. What? Là. Voilà. Là on est bien. Je perds des hommes, mais... Je perds. Enfin, je perds des hommes, mais je gère. Putain, eux, qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà. Retenez bien cette phrase que j'ai dit, Hoffman. Je gère. J'espère que t'as bien noté ça. Ça, je m'en prends la teub. Alors comment ça va? Comment lundi? Alors qu'on est jeudi. Alors ça veut peut-être pas dire que ça va super bien en fait. 2 minutes 30, ça le fait. Ah ouais mais non ça le fait pas en fait. Franchement le QG on en a plein d'autres, on s'en fout non? J'ai un pote il te fait un crépi aux oignons mais... Franchement, avec un tarot aux olives, après ça tu te fais une bonne salade oignon olive. Tu sais ce qui est bon, c'est une salade, allez, poivron rouge, poivron jaune, oignon, épices et un peu d'ail. C'est simple à faire avec un peu d'huile d'olive et de basilic. Simple à faire, tout con, mais mec, ça déboîte. Vous voyez, c'est la merde, je comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de faire des trucs et apparemment ça marche, donc je gère. Il y a tellement de Russes à un endroit même. C'est un chtouka qui passe, c'est fini pour ma gueule, tu vois. Ça j'en fous, j'en ai plein. Section front au Vicky arrivé pour le combat. Ah, allez, encore une. Je parle pas trop là, je suis très très concentré les mecs. Donc ça rigole plus. Toujours de la place pour un chtouki qui passe. Il y a toujours de la place pour un chtouki qui passe. Tu l'as toujours en fion. Quand c'est ma caison, c'est bon, j'ai gagné. Mais bon, j'ai gagné. Je tiens. Ah, sa mère. Ah. Camarade capitaine. Hein? Oui.
Putain, vous avez mis du temps. Ordonné de partir. Je sais. Mais vous ne m'avez pas ordonné. Je sais. J'ai amené de l'aide. Le major Paul Ivanov t'a laissé faire. Le major était occupé, camarade capitaine. Tu crois que le major Paul Ivanov, il est au courant qu'il y a environ 700 personnes qui sont mortes juste pour sauver un mec? Je sais pas, hein. Où est-ce que vous étiez passé, soldat? J'empêchais la capture d'un officier soviétique, camarade major. Oh, le fils de pute. Et alors? Ce n'est en aucun cas une excuse pour déserter son poste. Oh, enculé. Je veux que les autres soldats soient exécutés demain à la première heure. En présence du bataillon. Le gars, il a les poopers, quoi. Enfin, il a la trouille, quoi. Oh. Putain, je savais que j'aurais dû parler dans ce bataillon. Oh, ça va taper face. Ah, ça va taper face à la récré. En fond, ils vont déglinguer la gueule. Et voilà. Je propose de commencer de faire le début de la prochaine partie. Mission suivante, voir un peu comment ça se passe. Tout le temps de penser à ces hommes et ce qu'ils ont fait pour moi. Et le prix qu'ils ont payé pour leur bravoure. Ah oui, votre long séjour à l'hôpital. Ça a dû être très instructif avec le sergent Poyarski dans le service. Le sergent Poyarski a été formidable. Grâce à lui, le temps est passé bien plus vite. Leningrad, elle est cool, ouais. La mission Leningrad, elle est cool. Tristesse. Vous êtes en vie. Nous devons fêter ça comme il se doit et boire à la mémoire de nos camarades disparus. Comment faire la fête après ce que j'ai vu? Buvez pour oublier. Il est trop cool. Ça marche pour moi. Je suis sûr qu'il y a du sang belge. Mais chaque soir, quand je fais... C'est pour ça qu'on n'a pas de gouvernement. On oublie qu'on en a un en buvant, tu vois. Au moins, à Stalingrad, vous aviez à manger. Leningrad était coupé de tout. Les Allemands ont affamé la ville pendant plus d'un an. Pouvez-vous imaginer l'effet que cela a sur les gens? Ils deviennent des animaux, prêts à tout pour survivre. À tout. Mais nous avons survécu. Yes. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça l'ambiance. D'accord. D'accord, d'accord. Janvier 1943. Klesselsburg. Est de Leningrad, URSS. Alors que la victoire de l'armée rouge à Stalingrad approchait, la partie nord de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg... Trop tard. Donc ça va la suite au prochain épisode. Ouais, c'est bon. La gueule des mecs, c'est... Ouais, ouais, on y va. Ouais. Cette cinématique est tellement cool. Ah oui, la glace, j'adore. Ah, je creuse, hein, moi. On m'a dit creuser, je creuse. Il n'y a plus rien à creuser, les tranchées sont déjà faites. Non, mais on m'a dit creuser, je creuse. Les développeurs de ce jeu aiment beaucoup ces scènes où il y a des gars qui courent et genre ils se font tous exploser la mitrailleuse. Je crois que c'est la troisième en tout qu'on voit. J'aime beaucoup cette mission. Faut dire que c'est le truc le plus marquant aussi, ouais. Et il y a énormément de références à Stalingrad aussi. Hein. Enfin au film, enfin Enemy at the Gate. Ennemi aux portes. Direct. Voilà. Grenade. L'avantage c'est que sur cette map il reste quand même assez groupé les gars. Donc il y a moyen de faire un truc assez sympa, on se casse. Et ils perdent des hommes là quand même. Putain j'ai plus de thunes. Voilà.
Dès que t'arrives, les mecs ils sont un peu peureux donc. Je vais faire quitter la glace. Pas de rêve. Bah, il est moins connu, hein, mec. Il est pas super connu, le seul. Oh non, ils sont pétés, fait chier. Refunéraire là. Ça ou quoi? Aïe aïe. J'ai perdu tous mes hommes. Aïe. Voilà, hop. J'ai besoin de gars. Full mortier, Bob, full mortier. Oui, bah, full mortier, full mortier, full mortier. Oh. Plus facile à le dire qu'à dire, hein. Tu vois, sur ma partie solo, j'ai été beaucoup. Genre, j'avais mis plus de temps. Genre, j'avais réuni une putain de troupe. Et j'avais fait une avant-garde avec des snipers. C'était passé tout seul, mais. Comme papy dans papy. Ouais, mal au fion. Ah! Vachement efficace la pointe de pouce. Je suis vraiment tellement triste de pas pouvoir venir à l'IRL de février, mec. Truc de ouf. Ça m'aurait fait plaisir de revoir toute la LMF et surtout le meilleur de la LMF, Paco. Sûr, je vais le capturer. Oh merci, des gens. Fais chier. Ils sont marrants, les mecs. Je veux pas prendre les canons, ça me sert absolument à rien dans cette partie. Ils sont pas du tout efficaces. Je peux pas non plus, tu sais. Oh, bah on sera tout seul. Mais ils m'ont promis un appel vidéo ou un appel téléphonique en tout cas. Enfin, un appel téléphonique. Oh, papy. Ils m'ont promis un appel téléphonique par la CB. Ils m'ont promis un petit coucou par téléphone à toute la LMF. Du coup, ça me fait plaisir. Et oui, il y a un petit peu la Michel là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je prends. Il y a pas moyen de le réparer. C'est chiant ça si je peux pas le réparer. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Bon, vous faites quelque chose là ou quoi? Vous faites des crêpes? C'est bon les crêpes? J'ai envie de crêpes, j'ai faim. En plus, je crois qu'en chez moi il y a des crêpes farcies. Oh, c'est bon ça, les crêpes farcies, j'aime bien. Ah, j'aime bien, ouais. C'est bon ça. Avec des épices, des tartines. Qui sont quand même bien les obus de 120. J'allais dire 105, mais ça allait énerver encore des gens. Donc. Ouf. Ouf. Il y a moyen de détruire les bâtiments en plus. Faites un petit peu tranquille. Bâtard. Ça c'est pute. Putain, il y en a deux. Je l'ai pas vu. Je crois qu'il m'a pas vu. Allez. L'ordre 227 a été annulé. C'est maintenant qu'il faut dire. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir. Il est mort? Il est mort ou je suis mort? Putain, là, je suis mort quoi. Oh. Sans ça que t'allais trigger tout le monde, bah ouais, c'est pour ça que je voulais le dire. Parce que je suis un connard.
Par contre, le bruit de catucha, tu m'étonnes que ça leur casse les couilles parce que même moi, ça commence à me gonfler. Ouais. Voilà. Ah ah. On va essayer de gérer ça, tac. Fait chier de pas avoir assez de population. Voilà. Moi, je veux en avoir plus maintenant. Allez, plan de bataille. On est les premiers à traverser cette rivière depuis plus d'un an. Yes. Et maintenant, nous devons capturer le quartier général allemand de Schlüsselburg. Une fois le QG pris, il ne faut pas. J'ai les mecs qui étaient rattachés au. Mais mecs, ils devaient avoir des têtes, mais. Comme des ballons de basket, ça devait être affreux, quoi. On pourrait même rejoindre nos alliés de l'Est. Les renforts blindés arrivent. Utilisez ces troupes pour démolir les garnisons ennemies et leurs panzers. Un petit s'il vous plaît. Ah oui, les SU 76. Je kiffe les SU 76. Franchement, c'est la meilleure arme du monde. Oui, ben c'est un camp, oui, j'en ai déjà eu plein. Donc, cool ça, les SU 76. J'aime beaucoup. Bon, du coup, on va dératiser un peu la zone. Ça aurait été cool, c'est genre une fois sur 10, tu sais, si tu balances un barrage de propagande, genre t'as les mecs qui rejoignent ton côté, tu vois, ton camp, tu vois, un truc à la con comme ça, tu vois. Là on parle. Voilà. Ha! T'es le mandule. Aïe aïe aïe. Aïe. Je vais en retraite. Fun fact, le SU-76 était pourri. Les deux moteurs n'étaient pas toujours synchronisés. Et ça rendait extrêmement difficile le déplacement des chars. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais dans le jeu, il est très bon. Et c'est un très bon char. Parce que moi, en fait, je jouais essentiellement genre, tu sais, char d'artillerie, du coup je l'emmenais pas trop au combat, je le laissais en arrière. Et puis j'ai découvert, mec, que c'était un putain de char anti-char. Ou même de char anti-structure. Il pêche le SU-76, être pas mal. Bah ouais. Allez. Go, we go, we run ahead on the way to die. Go, we go, we run ahead on the way to die. Go, we go, we run ahead on the way to die. And the air gonna drop no more. C'est une chanson d'American Ski, ça. Au goulag! Ça veut dire que le sang. Comme les crêpes. Les grenades anti-chars sont disponibles pour toutes les recrues. Yes. Marcher dans mes traces, ce sera plus facile. Pourquoi je marcherai dans ses traces, il compte pas en con. On va balancer un petit coup d'artillerie, attends. J'ai l'impression que c'est un peu une mission de détente avant la mission suivante.
Alors, c'est une mission, genre, tu perds pas beaucoup d'hommes, t'es tranquille, tu fais ta petite armée de ton côté, tu vois. Ah. Je vous dis, je vais pas tarder à stopper. Hein. Là, on a déjà un bon petit stream bien sympathique. Et puis demain, il y a aussi Ru qui stream. Et moi, je re-streamerai bien sûr la semaine prochaine. J'essaierai de voir avec mon frère une date pour faire un stream sur. Voilà. Sur XCOM tranquillement, tu vois, le voir avec lui. Quand ça l'arrange et quand moi ça m'arrange. Préférence un samedi parce que bon, il est assez court, j'aime bien. Et merde. Voilà, fume-les. Voilà. Alors ça se la pète moins les strudels. Fumez-les. Oh, les petites tapettes. Oh, le petit pété. Oh. On va leur envoyer des petits cadeaux de Noël. J'adore ça. Franchement, le SU-76, c'est le meilleur char du monde, je suis désolé. Même si IRL c'est de la merde, c'est, pour moi c'est devenu le meilleur char du monde, tu vois. Même le Leclerc, il est pas aussi bien. Les Brits. En tous les jeux, les Brits. Les Britanniques, les Anglais. Toi même tu sais, je sais pas de quoi ils parlent. Franchement, je kiffe ce jeu. Ouais, les Britanniques. Je sais pas. J'y ai pas joué dans RE2. Pourquoi j'ai le DLC, hein, mais j'y ai pas joué. Dans RE2, dans. HOI. Non, HOC 2. C'est pas les Britanniques qui ont des mortiers dans des tranchées? Parce que ça c'est cool, ouais. Il me faut ça. C'est bien ça. Les gentils, les pommes, les anti-air, les anti-infanterie, les anti-chars. Putain, ouais, l'enfer. Putain, voilà. Je vais virer mes snipers, enfin mon sniper vu qu'il me reste un. Parce que honnêtement, il sert pas à grand chose quoi. De quoi?
Fuis-le, fuis-le, fuis-le. Voilà. Il se déplace ou pas? Putain, il se déplace pas. Je fais clic droit au lieu de kick gauche, hein. Débutant. Débutant, quoi. Je les ai pas fumés? Non. Oh, j'ai bien réduit leur troupe, quand même. Ça fait quand même mal par leur shrek. Hein. Ça fait pas du bien, quoi. Cassez-vous. Heureusement que leurs grenades sont hyper lentes. On n'a pas assez souffert pour ça. Ranesh était peut-être pas une meilleure idée que j'ai eue. Bon, j'avais... Putain, je pensais que j'avais perdu deux chars. Sans m'en rendre compte, c'est... putain, je peux pas faire ça, il me manque deux. Excusez-moi. Bon, ça me sert à rien. Ça me sert vraiment à rien. Ça me sert vraiment à rien. Voilà. Salut Ranek, c'est quoi? Là, on va pouvoir s'amuser. Et on rigole plus, on rigole plus. Tu fais la campagne? Oui, je fais la campagne du 2. En russe et en difficile. Ce qui est déjà pas simple. Comme je suis un peu sadomaso et j'aime bien et que je sais que vous aimez me voir souffrir un peu. Ah putain de tabac! Ça c'est quand même bien le lance-flamme. Y'a pas à dire le lance-flamme. Ça dissuade. Oh putain les frontaux, j'aime bien. Voilà. Mais pas bien là. Entre couilles, à la fraîche. On bandera quand on aura envie de bander. Entre couilles, à la fraîche. On bandera quand on aura envie de bander. Chanter plus du haut. Revoir. Putain, je commence à chanter du Vianney, c'est pas bon ça. C'est du Vianney, je sais pas. Aïe aïe aïe, on se casse en 6. T'inquiète pas. Comment ça? Voilà. Voilà. C'est fait. Qu'est-ce que c'est bien là, je trouve, en tout cas. Ah oui, j'aime beaucoup. Pas avec ces choses là, je vais t'enculer. C'est quoi? Je vais t'enculer et tu vas jouir, je sais plus.
C'est quoi le pire, c'est que j'ai jamais vu ce film, je connais que ce film par les. Allez, enfin, les répliques, quoi. J'ai jamais vu ce film. Je vais t'enculer. Je vais te cuisiner façon mobile. Ça, c'est pas le film. J'ai entendu parler de ce ami. Oui. C'est pas tout à fait faux après. C'est quand même bien les bataillons comme ça. Les troupes de choc. Parce qu'elles choquent. Elles choquent bien. Et vu qu'on est en haut de la colline. En haut de la colline. Mago. Mago. Bon bah je connais un hôtel de ville qui va se faire fumer hein. Ah. Oh de la colline, Margot, Margot. Allez en avant camarade. Elle m'a dit d'aller là-haut sur la colline. Et dans la colline, vous êtes des grottines. J'ai cueilli les fleurs, je suis venu. Attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Je trouve que je fais assez bien la trompette. Ouais, je sais pas. Yes. Hop, on a besoin de vous, les mecs. Parce que là, on commence à être un peu mal en point, enfin un petit peu, il y a une escouade qui est un peu mal en point, ça y est. Oh la vache, c'est quand même bien, j'aime bien moi. Tu vois, ça a dératisé le bazar, il n'y a plus rien, le bazar. Curieux cette putain de zone de merde. Ah mais il va y avoir une contre-attaque juste après je crois. Je crois mais je suis pas sûr. Mais je crois. Après je suis pas sûr. Hop. C'est ah mec, mais le lance-flamme, j'adore. J'en veux un chez moi. Ouais contre-attaque, ok. Ça, j'y suis rien du tout, hein. Putain, et vous me direz rien de comme unité en plus? Are you serious? Bleh. Oh, avec ce raciste qu'ils ont pris. Ah. Allez, 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 dedans, dedans, dedans. Oh, dommage, ça aurait été beau. Oh mon dieu, mais le lance-flamme à l'entrée, ça fait du dégât. C'est plus ou moins le videur à la boîte de nuit, quoi. Salut les militaires. Salut Nick, Nick. Nick. Enfin, pas Nick, Nick, je vais faire Nick pour le pont, quoi. Salut les militaires. Je sais pas pourquoi je le fais avec cette voix, ouais. Ouh, bon, bonne faille. Bah du coup ils vont devoir contourner. Hein. Ministère des Affaires extérieures, intérieures, de côté. J'ai fait, j'ai fait avec la même voix. Je
Je l'ai nommé ministre et ce matin. Tu es ministre de quoi encore? Des affaires extérieures. Intérieures. De côté. J'adore ce sketch, putain. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, Poléon, 5ème du nom, je peux pas. Ah. Non. J'ai pas un rap. Ah non, ça va être galère. Je parle pas beaucoup là, je suis désolé. J'en suis sorry. Putain, y'a tout ça quand même. Ouais, non, je peux pas moi. Ah oui, mais. J'ai mangé sec hein, là. Pas faire une pause de 5 minutes 5 minutes, ça. Je fais 5 minutes de pause moi. Et bien sûr, ils arrivent de hyper loin quoi. Bon, j'en ai perdu un, c'est pas grave. Ça va, c'est bon, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Le QG, ça me saoule. Bataillon disciplinaire prêt à être déployé. Mais ouais, mais vous avez été trop loin, j'arrive pas moi. Ah, il est mort lui, il est mort. Bah moi aussi je suis mort en fait. Putain, j'ai tout perdu quoi. J'ai mangé. Hein. Mais bien quoi. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces. Tenez le QG allemand. L'ennemi ne doit pas se renforcer. Mais y'a trop d'ennemis. Putain mais non frère. Récupère le QG allemand, mais oui, récupère. Oh, ça me saoule. Mais chopez-les! Faites quelque chose, putain! Poléon, c'est Guillaume la quiche. Oui, comme la tartelette. Mais ta gueule! Je suis au courant, tu crois pas? Oh là là, mais ils sont mauvais! Les gars, mais. On visait, bande de débiles! Oh, c'est vrai? Tiens, j'étais pas au courant. Ça. Mais 28 secondes! Oh, j'y arriverai pas! Même en 5 secondes, même en 3 secondes, j'y arriverai pas. Je vais pas réussir. 18 secondes, j'y arriverai pas. Voilà, hop. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Mais c'est une vanne, quoi! J'ai déjà plus d'hommes! J'ai perdu. J'ai perdu. On a perdu le QG allemand. Oh, mais ta gueule. Les renforts ennemis approchent. Ta gueule. Oh là, ça me saoule. Putain. Perte sur Leningrad, mais. Oh, ta gueule, Hoffman, ta gueule. Bon, bah, c'est sur ça que je vais vous laisser.
Parce que bon, on rigole, mais hein, c'est peut-être un petit peu chiant au moment. Hop, je vais vous mettre une musique. Bah tiens, je vais remettre celle-là. Merci de passer les gens, ça m'a fait grave plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi, hein, de me voir rager, surtout Hoffman apparemment. Bisous les gens, je vous aime. Bonne nuit. Hard work. Hard work. Hard work.